Salut les néo-autonomistes. Magali et Luc, autoconstructeurs d'un bâtiment semi-enterré, nous reçoivent dans les Hautes-Alpes afin de nous présenter leur Earthship inspiré. Totalement hors réseau, de très nombreuses compétences sont mises en œuvre avant de pouvoir vivre dans ce havre de paix. Ils nous partagent leurs expériences ainsi que les nombreuses difficultés rencontrées lors de la réalisation de ce dernier. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Bonjour Magali, bonjour Luc, salut les autonomistes. Bonjour Brian. Salut Brian et salut toute la communauté de l'archipel. Waouh, direct, ah, ça est à l'aise, direct, j'adore ça. Alors je viens vous voir parce que vous avez, on va dire, presque terminé, hein, avec en plus l'ambiance village et tout, j'adore derrière. Vous avez presque terminé un Earthship inspiré. J'avais déjà visité un Earthship. Quand j'ai vu Earthship inspiré, au début, je ne comprenais pas trop pourquoi. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun comme vous le souhaitez et surtout nous présenter le concept du Earthship inspiré, s'il vous plaît, auto-construit. Donc moi, c'est Magali. J'ai bientôt 37 ans. Je ne sais pas si c'était indispensable, ça. Mais bon, allez, on y va. Et alors, le concept Earthship inspiré, c'est un type de construction qui a été... élaboré par un Américain dans les années 70. Et aujourd'hui, pourquoi inspiré ? Parce qu'on s'est fortement inspiré de sa méthode de construction et on l'a adapté aux normes françaises et à nos besoins, tout simplement. Et ce n'est pas lui qui nous a aidés dans cette construction. Oui, comparé à celui que j'avais été voir chez Pauline et Benjamin. C'est ça, ouais. Toute la différence est là, c'est qu'en fait, Pauline et Benjamin sont passés vraiment avec toute l'équipe de Reynolds. Et donc, on a eu le package global de Michael Reynolds, donc le fondateur du principe et du concept Earthship. Et du coup, eux se sont fait vraiment assister par ces équipes-là tout du long. Quand nous, justement, on est parti un peu d'une feuille blanche, avec quand même l'assistante d'un architecte, un premier architecte, puis d'un autre, parce qu'en fait, on ne connaissait pas l'existence du deuxième, qui est devenu la référence en France de l'adaptation du concept Earthship. En fait, c'est un architecte qui a saisi le concept, adapté, comme dit Mag, aux normes françaises, aussi au climat, tu vois, parce qu'il y a deux, trois trucs qui font que la version du Nouveau-Mexique n'était pas forcément adaptée à nos latitudes. Donc, du coup, il s'en est saisi, il l'a adapté, il en a fait des plans. Il a aussi, je peux faire un petit peu de pub pour lui aussi, c'est donc lamatière.org, c'est Mathieu Guillaumard, qui est devenu un peu la référence en France sur le sujet, et qui, donc, du coup, nous a aidé vraiment à faire en sorte que ce projet-là puisse devenir. Et du coup, on est content parce que c'est vrai que sans cette aide-là technique, on aurait pu difficilement, je pense, mettre en œuvre parce que n'ayant pas du bâtiment, ni Mag, ni moi, on a juste des connaissances techniques très basiques. Et c'est vrai que l'aide de Mathieu, si tu veux, sur cette partie-là, nous a permis de faire naître le gros bébé que vous voyez derrière nous. Et du coup, ouais, pourquoi Earthship inspiré aussi ? C'est parce que du coup, comme dit, il y a des adaptations. Ils font que, bon, déjà, on ne peut pas utiliser le mot Earthship parce que c'est un nom déposé. C'est un nom déposé, donc du coup, déjà, ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième, c'est que, en fait, comme je disais, c'est qu'il y a des adaptations qui ont été faites, soit pour nos propres besoins, soit pour des questions vraiment climatiques ou d'ordre purement technique, quoi. Quand on a échangé, Luc, pour la première fois, quand je vous ai appelé, tu me disais, on est assez content de pouvoir le partager en masse, si on peut dire, parce qu'on maîtrise un petit peu en bricolage, et c'est pas si simple. Ouais, clairement. En fait, je pense que on prendra le temps, peut-être un peu, quand on sera dans la maison, de parler un peu de la genèse du projet pour vraiment expliquer pourquoi déjà on est arrivé au Earthship, et après comprendre aussi les difficultés qu'on a rencontrées pour le mettre en œuvre. Je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a envie de partager avec la communauté pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure. On peut vraiment être complètement transparent sur l'aventure qu'on a vécue, aussi bien les bons côtés que les côtés très difficiles par lesquels on est passé, pour éviter peut-être un peu la casse, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des visiteurs qui venaient nous voir, qui voulaient
lancé un projet Airship, mais qui était vraiment très peu avancé déjà juste dans le couple. Tu vois, c'est des jeunes couples qui étaient formés depuis un an, qui voulaient se lancer dans l'aventure. Et on sentait que c'était déjà la base du couple était fragile pour se lancer. Donc, on a préféré, avec ces gens-là, prévenir que voilà, c'était quand même une aventure hyper, hyper intense sur le plan physique, mental, etc. Donc ça, c'est le petit teasing dont on vous présentera un peu les détails dedans dans le canapé. Alors, je m'excuse, ça souffle beaucoup. On n'arrive même pas à savoir où se positionner pour ne pas avoir trop de vent. C'est des vents tourbillonnants. Une petite question, Mag. Après, on fera un tour plutôt technique avec Luc et on se posera pour parler de tout ce qui est logistique sur le chantier et tout que vous avez mis en place. Il y a combien de Airship et Airship inspirés recensés en France terminés, à peu près? En termes de recensement, on n'a pas vraiment de statistiques. Nous, on en connaît certains, on en a visité certains. Il y a une communauté, donc on échange beaucoup. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une dizaine de maisons dans lesquelles les propriétaires vivent et on va dire 10 à 15 projets en cours. Comme tu dis, il y en a entre 15 et 20 maintenant. Et ça fait un peu une exponentielle. Là, on est sur vraiment un peu une expo. Et ça va vraiment qu'en s'accroissant. Là, il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans l'aventure. Du fait qu'il y a aussi beaucoup plus de ressources. Tu vois, là, ça me permet de parler des ressources à disposition. C'est que nous, quand on a commencé, il y avait, à part les bouquins de Reynolds et le fameux Mathieu, il y avait zéro ressource. En fait, du coup, quand on c'était un peu la difficulté sur laquelle on a été confronté, c'est que du coup, il n'y avait pas de vidéo YouTube, il n'y avait pas de YouTuber français qui parlait technique, machin. Enfin, on partait un peu de zéro là-dessus. Il n'y avait que la petite expérience, le retour d'expérience des quelques personnes qui s'étaient lancées. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de ressources. Il y a une communauté, il y a des forums, il y a nos vidéos, parce que donc on a une chaîne YouTube qui s'appelle... Je partagerai tout en description, sans problème. Cool. Et c'est vrai que cette chaîne-là, on a essayé de faire en sorte d'apporter... en image, ce qu'on n'avait pas nous, tu vois, on a essayé de contribuer à notre façon avec la communauté sur la partie technique pour vraiment donner un peu une visibilité des grandes étapes importantes pour la construction du Airship. Et en fait, je pense que tout s'accumuler fait qu'aujourd'hui, il est un peu plus facile de se lancer dans l'aventure Airship. Ouais. Donc, ça va faire qu'augmenter quand même. Parce que c'est à Mac que je posais la question, parce que je sais qu'on va tchatcher grave, Luc. Non, mais je sais qu'on va tchatcher grave. Tu as très bien répondu, et c'est vrai que c'est cette communauté qui s'est créée depuis ces années qui fait que certainement beaucoup se disent « Ah, on va être accompagné, on va être épaulé, on va pouvoir poser toutes les questions que nous, on a eues pendant cette construction-là ». On avait les réponses parce qu'on avait déjà créé un beau groupe de précédents constructeurs, et donc ils étaient là pour nous répondre... des questions des plus banales, mais que tout autoconstructeur se pose. Et on avait les réponses. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en capacité de faire part de leur expérience et d'aider ceux qui se lancent. Donc, c'est pour ça que beaucoup de projets sont en cours ou à venir. Et on est ravis. Ah oui, mais même si ce n'est pas si simple, et là, on va le voir tout au long de la visite, je tiens à vous dire, à titre perso, c'est la première fois que je dors dans un Airship. J'en ai visité, que je dors. Il fait vraiment bon vivre. Donc, peut-être que c'est, je crois, 3 ans, et ça, on détaillera plus tard. 3 ans sûrement de galère, de remise en doute, blabla. D'où l'importance d'être un couple soudé si on se lance en couple. Mais au final, franchement, niveau rien que température, c'est extrêmement agréable. Ah non, c'est impressionnant. C'est vrai que nous, ce qui a déclenché la volonté de se diriger vers Airship, là, je rentre un peu dans la genèse, mais on avait visité le fameux Airship de Pauline et Benjamin. Et on a halluciné parce que tant sur le plan architectural, elle était vraiment, elle nous a plu, que sur la partie, comme tu dis, vivre, il y a vraiment cette sensation de bien-être assez incroyable. L'acoustique est dingue, on a vraiment l'impression d'être dans un cocon, quoi. Il y a aussi cette luminosité, on a les baies vitrées dans tous les sens, tu as une vue quasiment à 180 degrés. Et ouais, il y a toutes les choses qu'on va voir pendant la visite sur le concept Airship qui nous a plu, le fait qu'aujourd'hui, la région qu'on a choisie, on a choisi une région où il y a 300 jours de soleil par an, et ça fait que sous notre latitude, en tous les cas, on peut espérer ne pas avoir de chauffage, de système de chauffage. C'est pas vrai de partout, je vais pas mentir. Je suis pas sûr que typiquement un Airship dans l'Oise peut se dispenser d'un système de chauffage. Nous, dans notre cas, là, ça fait donc deuxième hiver, on passe sans chauffer, où on a eu une fois une température en dessous de... On était à 17,5. Ou la banquise. Aïe. Au bout de 5 jours de gris, donc tu vois, c'est après, t'as un rayon de soleil, boum, tu repètes un 21, 22,
voire même quelquefois tu peux monter en plein hiver à 23. Après, bien sûr, tu régules en ouvrant, en ventilant, mais vraiment, on a halluciné, quoi. C'est tous ces principes du leadership qu'on va exposer durant la visite qui nous ont plu et qui nous ont donné l'envie de se lancer dans l'aventure, quoi. Ben moi, vous me donnez envie de filmer dedans maintenant. Allez, on va visiter. Allons-y, ouais. Luc, avant de rentrer, tu me disais, on a quand même passé, on en reparlera encore à la fin, on a quand même passé beaucoup d'années sur chantier. Carrément. Et maintenant, on avance... Bon, tranquillement. On termine surtout, pendant qu'on termine, on avance aussi un peu d'autonomie. C'est ça. Je vois que Mag, elle va vers le poulailler. Ouais, et ben en fait, ouais, donc comme tu l'as justement dit, en fait, petit à petit, là, on essaye de travailler un peu sur le point de l'autonomie, sachant qu'on est extrêmement débutant dans le sujet, donc je vais donner aucun conseil, c'est vraiment juste pour vous expliquer où on en est. En gros, là, on a prévu sur une partie du terrain, on a planté des arbres, donc on a fait différents essais, on s'est un peu planté, on a fait du racine nu au départ, on les a perdus les premières années parce qu'on ne les a pas trop soignés, on ne les a pas arrosés et tout, donc on est parti finalement sur du porte-greffe, stratégie porte-greffe et greffage derrière. On a eu nos premiers résultats de greffe positifs, donc on est super contents. C'est d'ailleurs un ami que tu as eu l'occasion de filmer, qui nous a appris sur le sujet, donc génial. Tu peux dire le nom ? C'est Thomas. Thomas. Donc merci Thomas de nous avoir transmis ça. Et puis après, bah, sur la partie jardin, je remercie tous les reportages que tu as pu faire, Damien et tous ces gens qui nous ont donné énormément de matière pour essayer de devenir un peu meilleur au jardin. Donc rien de dingue, mais pour l'instant, voilà, on essaye de faire, on est sur à peu près 100 mètres carrés. On imagine dupliquer ça à 200 mètres carrés pour être autonome en partie légumes, hors céréales, bien sûr. Mmh. Et du coup, voilà, ça, c'est on va dire, les travaux sur lesquels on s'exerce pour demain. Et puis, on a des poulettes. Vous en avez combien ? Alors, on en avait 4, 2 qui se sont fait croquer par le renard. On a fait un peu Guantanamo, du coup, là, maintenant. Normalement, elle devrait plus se prendre. On a le filet en partie haute, on a les trucs électriques sur les côtés. Donc, ouais, c'est un peu... ici, on est en zone sauvage. On a d'ailleurs une biodiversité assez dingue. On a des salamandres, on a des renards, le loup... Il y a le pro-loup, le anti-loup, mais voilà, en tous les cas, on est dans une zone hyper sauvage. Donc bon, c'est un peu la partie, on compile avec la nature et on fait avec, quoi. Écoute, juste une question, je ne t'ai pas demandé tout de suite, donc j'en profite. Combien il fait votre terrain en mètres carrés ? Alors, on est parti sur un terrain de 5600 mètres carrés, donc avec une partie constructible et sur laquelle on a un peu galéré au départ parce qu'ils voulaient nous faire construire, le PLU voulait nous faire construire en fait proche du village, ce qui n'avait aucun sens dans notre cas parce qu'en fait, du coup, on se privait, on aurait eu le terrain dans le dos. Du coup, en fait, on a fait des pieds des mains et on a mis un an et demi avant d'obtenir le permis de construire sur la partie où on est. Et du coup, ouais, ça a été très compliqué. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce n'est pas forcément compliqué par le type d'habitat. Enfin, dans notre cas, ce n'était pas parce que c'était un hardship que c'était compliqué. C'était plus parce que on était en zone montagne, zone protégée, un PLU, un RNU en tous les cas, dans notre cas. Donc, c'était la préfecture qui était décisionnaire, des allers-retours dans tous les sens parce qu'on était coupé des réseaux. Donc là, cette maison a été pensée complètement coupée des réseaux pour une question de budget, parce qu'en fait, faire venir les réseaux sur ce terrain, ça nous aurait coûté, dans le cas des télécoms, je crois, 8000 balles, dans le cas d'EDF, 10 000. Et donc, c'est aussi un peu pour ça qu'on a voulu... Vivre en réseau pour des questions vraiment de budget. Et on est content parce que finalement, on voit que ça marche très, très bien. On y va ? Allez. On dirait un gamin, tu sais, un peu excité. Vas-y, je te suis. Allez, on va rentrer donc, dans la serre. Donc là, on va passer un peu vite dans la serre parce que la maison, le concept de la maison, en fait, est pensé donc avec une énorme verrière en partie sud, donc exposée sud, dans notre cas légèrement sud-est pour éviter les surchauffes. Et donc cette serre, en fait, va... en hiver, apporter énormément de chaleur parce qu'en fait, le soleil étant plus bas, il pénètre vraiment intégralement dans la serre et dans la partie habitat. Au solstice, le soleil va taper jusqu'au pied du mur de la maison. Par contre, au solstice d'été, là, on est plus sur un soleil, tu vois, qui rentre un peu moins, qui va baigner de lumière la partie cellule botanique qu'on n'a pas encore terminée
et qui est un peu différente. C'est en ça où on est un peu en leadership inspiré, c'est que d'habitude, leadership mettre la cellule botanique vraiment dans le sol directement. Et nous, on a fait le choix de la faire hors sol. Alors pour l'instant, on n'a pas maçonné les bacs, mais on va la faire hors sol pour des questions de praticité, un peu comme Léa et ses bacs que tu avais filmés. Et du coup, là, l'autre truc aussi, c'est qu'on avait peur d'un excédent d'humidité, parce que Pauline et Benjamin, typiquement, ont eu des gros soucis d'humidité au niveau des vitrages. Mm-hmm. L'humidité, en fait, ruisselait sur le vitrage et finissait par faire pourrir les bois d'ossature. Okay. Donc du coup, on s'est dit, on préfère maîtriser l'apport d'eau et du coup, faire un système un peu différent du système Earthship classique. Donc. Alors, je suis assez étonné, c'est qu'ils ont eu ce genre de problème alors qu'ils sont quand même passés par le maestro. Ouais. Mais tu vois, le maestro, en fait, je pense qu'il propose un concept qui a été testé et prouvé aux États-Unis, dans une région hyper sèche où les nuits sont très froides, les journées très chaudes. Nouveau-Mexique, exactement. Donc, en fait, je pense qu'il y a eu des soucis d'adaptation et c'est là où Mathieu a été très fort, c'est qu'il a, je pense, beaucoup pensé justement à ces adaptations. Donc là, on parlait donc du système de chauffage de la maison, donc c'est vraiment cette verrière. Et alors, pour aller plus loin un peu dans le système de chauffage, c'est que donc le mur de soutènement de la maison, la particularité, c'est qu'il est construit avec des pneus de voiture. Donc là, tout de suite, pour voir, carrément. Donc là, tout de suite, je pense que les commentaires vont s'exciter, la section commentaires va s'exciter Je peux faire la question de base qu'on te pose tout le temps. C'est ça, c'est... Alors, c'est bien de récupérer des pneus, bravo, ouais. Parce que voilà. Comme je te l'expliquais, ils sont brûlés pour faire du ciment, pour la plupart, une grosse partie. Et mon autre question, c'est le fait de les mettre dans le mur, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une pollution? Ça dit qu'on le fasse même en montant le mur. Carrément. Là, je crois que tu comprends pourquoi. Il fait super chaud là. Il fait bon. Et là, quand on rentre ici, il fait super bon. Excellent. Donc là, ouais, ben, tu vois, le thermomètre, on est à 23. 23. Donc là, on est à 23 dans la serre, ça peut monter jusqu'à 42 degrés. Et donc là, effectivement, on est bien mieux pour causer, t'as raison. Eh oui. Alors tu seras un peu en contre-jour parfois, je m'en excuse, mais c'est pour montrer cette vue et ce que ça apporte. Le vitrage, ouais, carrément. Et donc, du coup, pour la partie pneu, pour répondre à ta question par rapport à la toxicité, l'impact environnemental du pneu, en fait, il faut savoir qu'en fait, il y a une étude qui a été faite sur l'utilisation du pneu. Et du coup, le rapport d'étude de cette étude dit qu'en fait, le pneu, une fois qu'il est exposé, qu'il n'est plus exposé au soleil, donc à l'oxydation, au soleil et au frottement, en fait, il devient complètement inerte. Environnementalement parlant, on a un matériau qui devient complètement inerte et qui, comme je te le précisais tout à l'heure, c'est qu'à la base, les pneus sont en grande proportion utilisés pour chauffer des cimenteries et pour fabriquer des agglos, alors que là, on a un matériau qui est prêt à l'emploi, où on va juste découper le flanc pour une question pratique de remplissage, et après on va utiliser de la terre pour les remplir, on va les tasser dans notre cas à la masse, et c'est ce mur du coup qui va constituer la batterie calorifique de la maison. Et c'est ça qui fait qu'en hiver, on va réussir à tenir des températures allant entre, comme dit, dans les plus froides, à 17,5 dans notre cas, jusqu'à 23 degrés en plein hiver, sans système de chauffage. Et il faut savoir que le mur de pneus qu'on voit là, qui est juste enduit donc, avec un enduit de finition à l'argile et à la paille, qui lui va avoir une fonction en plus hygrométrique, qui va absorber donc, l'excédent d'humidité. Derrière, on a le mur de pneus, on a 1 mètre de terre, et on a une étanchéité, un isolant et un mur drainant. Parce que ici, là, on est vraiment sous terre. Du coup, on a dû rebâtir un mur de pneus rempli de cailloux pour éviter que toutes les eaux de ruissellement pénètrent dans la maison. Donc ça, c'était un gros défi technique. On mettra des images en même temps de ce que tu racontes. Ouais. La chance qu'on a, c'est que... Je ne te l'ai pas posé au début, je ne l'ai pas posé à Mag, mais tu es vidéaste. C'est ça, ouais, de professionnel. C'est ça. Donc évidemment, tu as fait des vues et je me permettrai de t'en piquer. Ouais, je ne suis pas sûr d'y piquer ou emprunter quelques-unes pour avec plaisir, pour illustrer. Ouais, c'est clair. Donc, ça parlera un peu plus, effectivement. Ouais. Parce que c'est vrai que là, cette histoire de mur de pneus, moi, ce que je ne comprenais pas typiquement, tu vois, je vous parlais du fait que c'était isolé, la masse donc, de terre est isolée. C'est parce qu'en fait, le Michael Reynolds a pensé à cette batterie sur un principe de déphasage thermique de 6 mois. Donc en fait, pendant 6 mois, on collecte une calorie, la calorie arrive, elle rentre dans le mur de pneus, on l'emprisonne, elle va jusqu'au fond
du mur de pneus. Comme une batterie. Comme une batterie. Et une fois qu'elle arrive au fond, et bien finalement, on rentre dans l'hiver et on va récupérer cette calorie. Elle va faire le chemin inverse et ça va rayonner en infrarouge et nous restituer donc toutes les calories accumulées en été. Et ça, c'est aussi vrai pour le mur de pneus que pour la dalle, parce que la dalle donc, est isolant, était isolée avec un matériau proche de la pouzzolane. C'est un matériau que certains certainement connaissent, il s'appelle le misapore, qui est en fait un granulat de verre isolant et anti-remontée capillaire. Donc et en fait, double fonction, c'est magique. Donc du coup, on a complètement. Donc là, on a du coup une batterie ici, on a une batterie au sol, on a sur ce mur-là, on a fait une exception, c'est en ça où c'est vraiment un worship inspiré, c'est que d'habitude, on a le retour du mur de pneus qui vient ici, mais étant donné qu'on voulait faire une terrasse avec cette vue magnifique sur les marnes d'ici, on ne voulait vraiment pas se priver de cette vue-là, donc on a fait une exception, on a créé un peu, malheureusement, une petite déperdition thermique, mais qu'on a comblé avec un matériau que tu connais bien avec Nono, le béton de chanvre. Oh les connaisseurs, oh les connaisseurs. Le béton de chanvre, qui est juste, on est tombé vraiment amoureux de ce matériau, au point que si c'était à refaire, on ferait une maison vraiment entièrement en béton de chanvre, vraiment. On est extrêmement... satisfait du rendu, enfin après toutes les propriétés que vous avez déjà mis en avant dans les vidéos, je vais pas le refaire, hein, thermique, acoustique, anti-feu, peut-être que les personnes vont découvrir la chaîne grâce à cette vidéo. Béton de chambre, isolant acoustique, thermique, inertie thermique, hygrométrique, anti-feu, enfin bref, c'est juste le matériau du futur, je pense, avec une carbonatation à vie qui fait que le matériau devient positif, que demande le peuple. Wow. Et tout ça pour la modique somme de... trop fort. Vous savez, je vous le dis, ça fait déjà deux jours qu'on est installé et on rigolait parce que c'est pas un Earthship officiel, mais je crois que tu serais le meilleur commercial du monde. Ouais, mais écoute, c'est ce que tu dis souvent, passionné. C'est clair, on est vraiment tombé amoureux du concept et on en parle vraiment, je l'espère, avec passion. On veut partager ça et contaminer le plus de gens parce qu'on est vraiment convaincu que ça fait partie des habitats, les solutions d'habitat du futur, même s'il y a beaucoup de choses qui sont critiquables. D'ailleurs, je peux lever quelques lièvres. Des choses qui ne sont pas encore terminées aussi, par exemple, parce que des personnes vont dire, dis donc, je vous ai dit, c'est vous gardez le béton. Complètement, il reste tout à fait, il reste la serre à finir, on a le sol de la serre. Après, j'en parlerai en fin de vidéo, mais on a eu des soucis de santé liés justement au chantier. Moi, je me suis fracturé l'humérus, Mag s'est fait opérer du ménisque. Donc, ça a été une expérience assez traumatisante sur le plan physique. C'est pour ça qu'on a mis un peu en stand-by certaines parties des travaux de la maison qui sont des travaux très très lourds. Je fais juste pour Mag. Ouais, carrément. T'étais en incapacité. Ouais, tout à fait. Au niveau de l'humérus. C'est ça, le bras en vrac. C'est elle qui a posé le carrelage. C'est ça. Franchement, bravo elle. Les jointures. Ah ouais, là on est sur... sur laser. Ouais, carré comme le Kiri, quoi. Je t'ai coupé, mais je voulais vraiment le filmer. C'est cool. Merci pour elle. C'est vrai qu'elle a fait un boulot de dingue. Et ça me permet de transitionner aussi pour lever des lièvres par rapport à la question de commentaires qui peut s'exciter aussi. C'est que j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui dit « Leadership n'est pas la solution, mais... » c'est que j'ouvre quand même le débat sur le fait qu'effectivement Earthship reste critiquable sur certains points parce qu'il y a quand même l'utilisation de matériaux qui reste critiquable. Il y a du béton, il y a de l'isolant issu de la pétrochimie, il y a quelques éléments qui restent discutables, mais je pense que c'est un bâtiment qui devient tellement positif dans son utilisation, pas de système de chauffage, pas de système de climatisation, des choses comme ça. Donc en soi, il devient écologique sur ce principe-là. Maintenant, j'ouvre quand même la possibilité, c'est pour ça qu'on est très ouvert. En ce moment, on est dans une phase d'ouverture, on fait des visites auprès des écoles, d'archi, on fait venir des agences d'archi pour en fait essayer de sensibiliser sur le fait que l'habitat doit évoluer et que ce qu'on a fait n'est pas une solution en soi, qu'elle est encore très évolutive et que... Exactement, ouais. On est vraiment pas, on n'a pas la prétention de dire qu'on a fait le truc ultime qui doit être duplicable en l'état. C'est que c'est vraiment quelque chose d'évolutif qui va évoluer vraiment au fil des constructions, chacun va apporter sa pierre. C'est ce qu'on a fait nous, tu vois. On a essayé de pas reproduire les erreurs qui avaient été faites par le passé pour essayer de faire avancer un peu le schmilblick et apporter aussi un peu une touch. Tu vois, nous on a voulu un Earthship assez contemporain. On aime l'esprit contemporain, donc on a choisi des matériaux assez contemporains et je vois sur les portes et tout, ouais. Un peu d'anthracite, d'aluminium. Et puis on a essayé de faire, tu vois, là au niveau des luminaires, on a essayé de faire des trucs un peu avec de la récup parce qu'on était en fin de budget, on n'avait plus trop de. Enfin, fin de chantier, on n'avait plus trop de budget, du coup on s'est amusé avec
ce qu'on pouvait, la table basse et la récup de la découpe de l'évier. On s'est amusé à faire des trucs un peu design. Enfin bref, on s'est un peu amusé, étant donné qu'on n'avait pas, bah, pas le budget illimité non plus, quoi. C'est un toboggan, au fond. Ah, merci, ouais, c'est cool, ouais. C'est cool d'en parler. Alors, effectivement, on a parlé du système de chauffage l'hiver, mais on n'a pas parlé du système de climatisation l'été. Donc, en fait, le principe de la maison, c'est qu'en gros, en été, pour éviter la surchauffe dans, dans la partie habitat, on a donc ces fameux puits de ventilation. Donc, ces puits de ventilation, ils sont, c'est simplement un tuyau de 9 mètres de long, 6 mètres à l'horizontale, 3 mètres à la verticale, qui est donc enterré sous terre. Et comme on le sait, sous terre, je crois qu'au-delà d'un mètre 50, on est à une température de 13 degrés. Donc ça fait qu'on a un échange avec l'air de l'extérieur, donc on récupère l'air de l'extérieur, qui est aspiré par un système de ventilation. En fait, il y a une extraction d'air dans la serre, qui en fait donc aspire 1000 mètres cubeurs par extracteur, donc 2000 au total. On a deux extracteurs à l'est et à l'ouest. Donc ces deux extracteurs en fait vont aspirer l'air, vont créer une dépression dans la maison. Par ce phénomène de dépression, tu peux filmer là la trappe donc en fait qui permet de faire de chasser l'excédent d'air chaud. Donc on a mis ce point en point haut, ça fait que l'air chaud donc est aspiré et est renouvelé du coup par donc l'apport d'air extérieur qui est refroidi par le système de refroidissement des puits de ventilation. Ouais. Tu m'as dit que tu n'avais pas fait beaucoup de visites médias, mais tu as dû faire quand même beaucoup de visites déjà, parce que tu es super à l'aise dans ce que tu présentes. Ouais, écoute, moi je me régale, comme je te le disais, ouais, je suis vraiment tombé amoureux du concept. Et puis, on aime, en fait, on a fait ce projet avant tout pour nous, pour coller à nos valeurs, pour mettre en matière, matérialiser en fait les valeurs qu'on avait accumulées jusqu'alors. Et maintenant, on rentre dans une phase vraiment de transmission où on veut passer le virus du concept à plein de gens et on apprécie vraiment le faire, quoi. Enfin, j'espère que ça plaît, quoi. Ce que je te propose, Luc, on se dirige vers la partie sanitaire parce que c'est quand même une partie extrêmement peut-être complexe quand on ne connaît pas. Carrément. Et c'est toi qui t'y es collé. Allez. Donc, c'est parti. Enfin, quand je dis toi, vous, carrément. Mais je veux dire, tu n'étais pas passé par des pros pour installer. Non, pas du tout. Alors, je peux, c'est pour la partie technique, je peux me faire un petit arrêt ici avant d'aller dans la partie technique parce que c'est de la technique. C'est qu'en fait, ici, on a prévu donc un système de chauffage avec un piano gaz, ce qui fait que du coup, on est pour l'instant pas autonome sur la partie gaz, mais grâce à toi et grâce à Picojoule, on va faire la formation pour s'alimenter, enfin créer notre propre biogaz et donc à terme donc être autonome en gaz. Donc ça, c'est pour nos cuissons le soir. Et en fait, ce qu'on savait pas, et on va le voir dans la partie technique après, c'est qu'on a un excédent d'électricité la journée, surtout en été. Et cet excédent d'électricité, on a voulu le valoriser en... on fait énormément de choses nous-mêmes, on fait notre pain, on cuisine énormément. Je vois, vous avez un outil dont je ne citerai pas le nom derrière qui permet de cuisiner. Non, en tous les cas, on aime cuisiner et c'est vrai que du coup, on se disait, putain, c'est con de cracher du gaz alors qu'on a de l'électricité. Donc finalement, on a fini par implanter une plaque à induction pour des cuissons électriques. Donc là, la journée, tu vois, on va faire en hiver, on fait nos popotes, les pâtes, on les fait ici. Enfin bref, toutes les cuissons électriques la journée ici. On a un four électrique à l'extérieur qu'on a pu apercevoir, qui lui va nous servir pour les cuissons longues. Et on l'a foutu dehors parce que ici, c'est tellement isolé que si tu t'amuses à faire péter une cuisson d'une heure dans la maison, tu finis en slip. Donc du coup, ce qui est pas mal. Mais du coup, ouais, c'était un petit avant-goût de la partie technique parce que c'est ça. Donc voilà, merci Picojoule, j'ai pas encore fait la formation, mais on va se voir bientôt, j'étais en contact avec eux pour faire la formation. Je t'ai perdu, excuse-moi. Alors, donc ensuite, ici, bienvenue dans le cœur du vaisseau. Le cœur du vaisseau où en fait on commence avec le premier organe d'autonomie, à savoir donc la partie eau. Sachant, donc très rapidement, c'est assez simple et je sais que ta communauté est assez friande de ce genre de choses, donc je vais aller vite sans non plus passer à côté de certaines choses. Juste avant d'aller plus loin, parce que tu m'as présenté juste avant pour les cuissons. Carrément. Combien vous avez de stockage, combien de cuves et tout? Tu peux le présenter? Ouais, bien sûr. Alors en fait, tu as donc ici l'arrivée de 5 cuves de 5000 litres. Donc ça peut paraître énorme. Je sais que d'habitude, on part plus sur des capacités de stockage entre 10 et 15 000. Mais on a voulu partir sur 25 000 pour deux raisons. C'est qu'on est dans une région où potentiellement, dans les années à venir, on va avoir des gros soucis de sécheresse. Surtout, pour l'instant, on n'a qu'un usage sanitaire.
mais ce n'est pas impossible qu'à terme, une partie de cette eau soit utilisée pour de la partie jardin. Donc, on a surdimensionné l'installation, mais je pense que c'est pas non plus l'eau, ça ne sera pas un luxe. Il vaut mieux le faire au début, de prévoir l'arche. Que de revenir, clairement. Donc là, pour faire simple, on a la première cuve qui donc, arrive ici, qui en fait collecte l'intégralité des eaux de toiture de la maison. Cette eau va être filtrée une première fois par un filtre mécanique un peu grossier à l'extérieur, qui fait qu'on va collecter une eau, exemple de feuilles, d'insectes, de choses comme ça. Cette eau donc arrive dans la première cuve, par effet de trop-plein, et là je vais faire un big up et un gros merci à Pierre Lécolo, parce que grâce à lui, on a fait le principe du siphon en U. Et du coup, donc la première cuve communique avec la deuxième avec la troisième avec la quatrième, et la quatrième avec la cinquième. Ce qui fait qu'on travaille toujours de droite à gauche, parce que par effet de décantation, on a une eau qui est déjà quasiment, pas potable, mais en tous les cas, presque bien filtrée. Bien filtrée. Elle est limpide. Dans la cinquième cuve, elle est vraiment claire. Donc, en fait, on va toujours travailler de droite à gauche. Donc là, on voit qu'on est toujours sur la cinquième. Et ici, on a une petite astuce que j'aime bien. C'est vraiment du truc vraiment, comment on dit, analogique. Où, en fait, tu vois, là, on a une petite bulle d'eau qui se déplace dans ce tuyau. Et en fait, c'est... Ça vous donne le niveau. C'est ça. En fait, merci Archimède, parce que grâce à toi, ici, on a le... Donc, ça représente ici le niveau bas des cuves. Tu vois, en projection, les cuves donc, sont implantées donc, à 6 niveaux. Okay. Et ici, on a cette pièce-là en plastique matérialise le niveau haut de nos cuves. Et ça fait que, du coup, tu vois, la cinquième, on est à peu près... il nous reste un tiers plein de la cuve. Donc okay. ça nous permet de surveiller un peu là où on en est au niveau de l'eau. Ensuite, derrière, tu as une pompe de mise en pression, qui est ni plus ni moins qu'une pompe de camping-car, une Sureflow pour ne pas les citer. Ouais, après, il y en a plein d'autres marques. Ils sont friands des marques pour aller chercher. Ouais, donc là, voilà, on est parti sur le Sureflow, après il y en a plein d'autres. Mais, pourquoi isoler, c'est pour le bruit Ouais. Alors ça, c'est une petite erreur qu'on peut partager avec la communauté. Si vous avez la possibilité de déporter cette pompe, c'est pas inintéressant parce qu'en fait nous on a fait deux bêtises, c'est qu'on l'a mise au cœur de l'habitation et surtout on l'a mise fixée sur un panneau qui est lui-même connecté à la charpente, donc par effet de bruit solidien, toutes les vibrations en fait sont communiquées dans toutes les pièces, donc ça c'est un peu embêtant. Quand elle se met en route, ça dure pas longtemps, ça dure 2-3 minutes, mais voilà, ça fait un peu de bruit, c'est un peu bruyant, c'est à savoir. Donc ça, si c'est possible de la déporter ou de faire le local technique ou dans la cave ou quelque part autre, c'est intéressant. Donc là, cette pompe va mettre le circuit en pression avec le ballon qu'on voit ici. Donc ça, c'est une grosse vessie de 200 litres, dont 100 litres de vessie, 100 litres d'eau. Donc là, ça va monter l'eau à 3 bars. On va avoir 100 litres d'eau montée à 3 bars. Et après, donc cette eau montée à 3 bars, elle va donc continuer son circuit dans le système de filtration avec ici un premier élément de filtration mécanique à 50 microns, donc c'est un filtre textile tissé. Et là, on a mis un compteur pour surveiller un peu notre consommation. Chaque mois, on fait un petit relevé pour voir un peu où on en est. Okay. On aime collecter des données dans cette maison parce qu'on veut essayer de partager aussi par le biais de la chaîne YouTube, tu vois, un maximum de données, de consommation, de choses comme ça, pour que les autres puissent peut-être adapter aussi leurs besoins en fonction. C'est ça, clairement. Et là, donc, tu vois, on a un premier départ d'eau non potable qui part à la clarinette qui est là. Clarinette, oui. Donc on a une petite clarinette, tu vois, avec donc toute l'eau, la distribution d'eau non potable. D'accord. Et ensuite, dans le circuit, tu continues ici avec donc le circuit de potabilisation de l'eau, avec donc un deuxième filtre mécanique à 20 microns. On a du charbon actif, bon, pour les propriétés qu'on connaît, hein, pesticides, métaux lourds, odeurs et compagnie. Ici, on est sur du filtre à nouveau textile à 1 micron, qui permet, ça c'est intéressant, de le mettre avant la céramique, parce que du coup, comme on le voit, le charbon en fait, va libérer des microparticules qui risquent de colmater la céramique. Donc du coup, ça permet de filtrer plus fin et de récupérer les merdes du charbon. En parlant de ça, quelques secondes, minutes, mm-hmm. vous avez une terre argileuse, très pâteuse, mais vraiment grisâtre. Clairement.
Et tu m'as dit que ça, c'est un truc qui pouvait boucher les filtres. Ouais. Assez... On a un souci, effectivement, c'est que du coup, là, ce dernier filtre en bougie céramique, donc on a 6 bougies céramiques qui filtrent à 0,2 microns. Et là, on a un petit souci, c'est que normalement, c'est prévu de les changer tous les 6 mois, ces bougies. Après, selon la consommation d'eau, mais normalement, c'est donné pour 6 mois. Et là, en fait, au bout d'un mois et demi, on a une baisse de pression assez significative. Et du coup, on voit que les bougies s'encrassent assez rapidement. Donc là, je parle à la communauté, si jamais il y a des retours d'expérience sur le truc. Je suis preneur, c'est qu'on ne sait pas trop si c'est effectivement ces argiles dont tu parles, qui sont très très fins, ou d'autres choses. Mais en tous les cas, on a un petit souci, c'est que là, tous les mois, on est obligé d'intervenir sur ce filtre-là pour nettoyer les bougies. D'un côté, c'est ce que vous avez en moins dans le corps et c'est ce que ça garde. Donc ça peut être effrayant de le retrouver. Mais quelque part, ça fait son taf, je pense, ouais, c'est ce qu'on se dit aussi. C'est ce qu'on se dit aussi. Ça implique une contrainte en plus parce que normalement, c'est donné tout ça. Tu vois, on fait une maintenance tous les 6 mois. Là, ça implique de venir tous les un mois et demi, changer les bougies. Donc bon, c'est pas très contraignant, mais c'est à savoir quoi. Après, je cherche encore, on va trouver la solution, mais voilà, il y a cette petite effectivement technique à résoudre. Et là, juste pour la communauté, donc là, on est sur du 0,2 micron, ce qui fait que c'est donné pour, chasser 99,99% des bactéries et virus. Et pour l'instant, je touche du bois, mais on n'a eu ni chiasse, ni maladie, ni rien du tout. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on prend, parce que si on prend pas ces choses-là. Clairement, clairement, clairement. Et en bas, alors excuse-moi, j'ai dû zapper. C'est quoi la petite chaussette? C'est une préfiltration. Juste en bas, le filtre en dessous, celui-là. Celui-ci, ça c'est pour la première filtration grossière, pour enlever pour la partie non potable, pour enlever les feuilles qui auraient pu rester. Mais là, tu vois que même après 6 mois, je crois qu'il a 5 mois celui-ci, tu vois que le filtre il est quasiment impeccable. Quoi. Il a légèrement pris un peu de l'algue, des choses comme ça. Mais sinon, tu vois que l'eau, on est content, ça marche. Franchement bien. Et après, derrière moi, on a un autre point d'autonomie. Ouais. C'est le chauffe-eau solaire que tu as filmé là en drone. On est passé sur un tube à vide. C'est une technologie qui existe très peu en France. Elle a été beaucoup utilisée dans les pays d'Espagne, Turquie, Portugal, des choses comme ça. Et bizarrement, en France, on est passé tous sur des panneaux plans qui ont un rendement beaucoup moins intéressant que le tube à vide, qui est certes plus fragile. C'est le thermosiphon. Alors, malheureusement, nous, on n'a pas pu le faire en thermosiphon. Okay. Mais c'est vrai qu'il existe cette version en thermosiphon, et là, c'est royal, tu n'as même pas besoin de circulateur, ça se fait tout seul, c'est le top. Nous, malheureusement, on est passé par un circulateur qui est donc juste là, et qui donc fait circuler l'eau chaude par un échangeur dans le ballon, qui arrive là, donc tu as le départ, l'arrivée et le départ. Ça échange ses calories dans l'eau, et après, tu as ton départ d'eau chaude, qui va dans la clarinette d'eau chaude et par un système donc de vanne thermostatique, elle décide si elle est suffisamment chaude, elle va directement dans le réseau d'eau chaude, et si elle n'est pas assez chaude, en hiver c'est déjà arrivé, on a un appoint gaz. C'est ça, donc cet appoint gaz en fait il est là pour relever la température à 60 degrés pour éviter les salmonelles, et donc tu vois ça peut arriver qu'en hiver elle ait besoin de relever par exemple de 50 à 60, donc elle va pas beaucoup bosser, au point que une bouteille comme ça de 33 kilos, grosso modo on est sur une bouteille par an. Pour vous donner un peu un aperçu. Sachant que le panneau chauffe-eau solaire, je crois qu'il fait 2 mètres carrés, un truc comme ça. J'ai une petite question. Tu me disais que tu étais à l'aise en construction et tout. Tu as appris comment tes parents sont bricoleurs? Alors, à l'aise, c'est un grand mot. Non, en fait, j'étais. Je pense que tu m'as écrit. En fait, j'ai eu un papa qui bricolait tout le temps. En fait, et du coup, je suis un enfant qui a toujours été très observateur. J'ai pas eu l'occasion de trop pratiquer gamin, mais je l'ai souvent vu faire, souder, réparer. T'es vidéaste, t'es visuel. Exactement, ouais, complètement. Et du coup, le fait d'avoir regardé faire, au moment où je suis passé à l'action, si tu veux, il y avait une sorte de fluidité, une intuition presque naturelle qui est venue. Et puis, on vit dans une période assez dingue où Internet nous offre quand même une multitude d'informations. Et grâce à ces informations, si tu veux, là où j'avais des manques, Internet était là, la communauté était là. On a eu Roland, dont je rends hommage aussi, qui a été là pour cette partie-là, pour la partie chauffe-eau, pour la partie électrique, qui nous a prêté des outils qu'on n'avait pas, qui nous ont évité d'acheter, de louer et tout. Donc là, c'est un gros plus, et ça pareil, ça fait partie
des petits plus qu'on a eu pour la réussite de ce projet. Vous avez été exceptionnellement bien reçu, je trouve, dans les, en tout cas des personnes qu'on a rencontrées dans les Hautes-Alpes. Ouais, on a eu beaucoup de chance. Franchement, ça aurait pu être ça aurait pu être différent. Et là, vraiment, on a eu on a été épaulé techniquement, humainement. Et il faut pas que j'oublie aussi, parce que en partant dans tous les sens, il faut pas que j'oublie de remercier les 60 bénévoles qui sont passés donc sur ce chantier, dans la genèse, mais au moins je l'ai dit, mais ouais, merci à eux, parce que ça aussi, ça fait que ce chantier a été possible aussi, quoi. Alors, on a beau tour, bravo, et franchement, excellent, tu sais que tous les termes et tout, ça va vraiment aider la communauté, comme tu dis. On passe sur la partie photovoltaïque. Ouais, carrément. Alors, allez. Photovoltaïque. Ici. Moi, je me pose, parce qu'il va y avoir encore des choses à dire. Je me mets à l'aise, merci. Merci à toi. Je suis super bien placé pour le voir. Déjà, ma première question, j'ai trouvé ça fou. Je vais filmer. Tu as des petits ballons au-dessus et en dessous. Ça a l'air terrible. Alors ça, c'est une invention assez dingue. J'espère qu'on aura jamais l'occasion de tester l'efficacité de ces trucs. Mais en gros, c'est un Thaïlandais qui avait pensé à ça dans les années 2000. Et ça coûtait une fortune au départ. Et là, ça commence à se démocratiser. Ça devient un peu moins cher. Et j'appelle ça mon pompier à domicile. Parce qu'en fait, c'est un extincteur automatique. Donc en fait, en gros, si tu veux, la seule partie craignose de la maison qui peut provoquer des départs d'incendie, on a estimé que c'était ici. Et donc, on s'est dit que ça coûterait pas grand-chose de mettre ces deux... extincteur automatique qui, en fait, au contact des flammes, va exploser et libérer de la poudre et du CO2 pour éventuellement stopper un départ de feu, quoi. Donc voilà, c'est bon à savoir. Je pense que ta communauté peut-être serait friande de ça. J'ai pas de lien particulier, on les avait trouvés sur le net. On tape boule incendie, ça se trouve assez facilement, quoi. Je mets un lien affilié. Non, mais c'est top, c'est la première fois que je vois ça. Et ça montre aussi que vous avez quand même le souci du détail, parce que je ne l'avais pas vu jusque-là sur les installations. Bon, à titre perso, je suis à la one again, mais je serais quand même rassuré. Ouais, d'avoir ce petit truc, carrément. Et ouais, du coup, c'est vrai que ça nous rassure. Le feu, ça reste quand on était en construction, on a eu une très mauvaise nouvelle pour un ami pour lequel on était allé visiter le Hership. Enfin, il nous avait inspiré par la visite dans le Hership. Et pendant la visite, on a appris que son Hership avait brûlé. Ouais. Et ça nous a vraiment fait ça nous a marqué. Du coup, on a pris toutes les précautions en termes de sécurité. On a respecté, ça me fait faire une petite parenthèse sur le fait qu'on a essayé de respecter au maximum tous les DTU, les normes, les DTP, les machins, que ce soit les normes électriques et tout et tout. On a essayé de respecter au maximum pour limiter le risque tant structurel que incendie, etc., quoi. Et donc, sur la partie... On commence simple. Combien vous avez de panneaux photovoltaïques? Combien en watts crête? Alors, en watts crête, on est sur du 4,7 kW watts crête. On est sur du stockage de 2 x 4 kW en lithium. On a opté pour le lithium. On aurait été peut-être au départ plus attiré par le nickel-fer pour la durée de vie, les choses comme ça, mais beaucoup plus contraignant, beaucoup plus besoin d'intervenir, des choses comme ça. Et du coup, on a un peu opté pour la facilité, même si on connaît un peu toutes les dérives du lithium. On espère que derrière, il y aura bientôt des filières de retraitement du lithium qui feront que ça sera peut-être possible de dire que ces matériaux seront un peu mieux réintégrés dans les cycles de recyclage. Et donc là, voilà, on est... Je vais dire une bêtise, excuse-moi, je viens de filmer, je viens de voir à peine la marque de la batterie. Ouais. C'est pas un constructeur automobile. Si, ouais, en fait, alors, c'est là où ils m'ont convaincu. C'est qu'en fait, c'est des Chinois qui ont une expertise dans le domaine des batteries depuis des années. Je crois que les mecs, ils ont commencé, je vais dire une connerie, donc je préfère pas, mais ils ont une expérience dans les batteries exceptionnelle. Et au point que les mecs sont devenus maintenant le premier constructeur, effectivement, automobile chinois qui va certainement très. Tesla. Ouais, je pense, ouais. Ça va arriver très vite. Et du coup, on a été rassurés aussi sur ce point-là parce que c'est du matériel qui voilà testé, éprouvé. Voilà, tu as deux modules de 4 kg. Une fois 4, une fois 4. Et ici, tu as, j'imagine, la partie BMS, le Battery Management System. Et ici, la partie, je pense, liaison réseau avec le reste de l'installation. Ok, donc 4, presque 5 kW crête de panneaux. De panneaux, 8 kW de stockage. Okay. Et ça me permet de te dire que on est large. On est large. En hiver, un peu moins.
Il y a eu une fois, donc parce que comme je vous le disais, on est hors réseau, il y a eu une fois où, je crois au bout de 5 jours, on est tombé à 8% de batterie. Heureusement, le lendemain, il faisait beau. Mais voilà, c'est arrivé qu'une seule fois où on était un peu just. Et à ce moment-là, en fait, c'est un peu ce que je t'expliquais, c'est qu'en fait, ce que j'aime dans cette maison, et ça me plaît de t'en parler ici dans la partie technique, c'est quand tu vis dans un airship, tu as l'impression vraiment d'être un capitaine de vaisseau, vraiment, tu es un capitaine de navire, où en fait, tu vas systématiquement voir... regarder la météo pour voir si, bah, par exemple, tu commences à être limite au niveau de la flotte, tu vas t'intéresser aux pluies qui seront à venir. Quand tu es limite au niveau des batteries, tu vas t'intéresser au soleil qui va venir. Si tu n'as pas de soleil, tu vas prendre les prérequis nécessaires pour minimiser ta consommation électrique. Donc, tu vas arrêter de, par exemple, d'écouter la musique, tu vas arrêter de charger les ordi la nuit. Donc, tu vois, en fait, ça implique de... Et ce que j'aime dans le airship, c'est que finalement, tu te reconnectes avec la nature et avec les énergies. C'est-à-dire que tu vas faire quand les énergies sont là, que tu vas vraiment devenir vraiment un capitaine qui va prendre un peu des directions en fonction des énergies, quoi. Et je trouve que c'est vraiment assez fondamental et c'est ce qui plaît généralement dans les visites parce qu'on sent que c'est quelque chose qui... C'est une maison qui reconnecte les gens, tu vois, à l'essentiel, énergies. En fait, et aux énergies, ouais, clairement. On n'appuie pas juste sur un bouton et... Et ça vient, quoi, clairement. Et ça vient, et on paye à la fin, on ne sait même pas combien on a payé. C'est ça, c'est quoi, ça. C'est kilowatts. Ah, clairement, non, ouais, c'est vrai, c'est super intéressant de voir, ouais, combien tu as utilisé en kilos, combien tu as utilisé d'eau. Tout devient matérialisable, tout ton impact devient matérialisable, tu vois, c'est vraiment une emprise complète, au point que, tu vois, on s'était amusé à faire notre empreinte carbone pour voir où on en était, et là où c'est surprenant, c'est quand bien même tu vis comme ça en autonomie, tu essayes de faire tes légumes machin, on voit qu'on est quand même encore avec une empreinte carbone assez considérable, mais pour d'autres raisons, parce que les services publics et tout ont encore une empreinte qui font que c'est difficile de tomber en dessous des 2 tonnes, mais voilà, on tend en tous les ça cas tombe dans, on essaye de dans une logique, vous essayez de complètement. Bon, après c'est vrai que ça, ce qui est le plus difficile, c'est l'investissement. On sait que ça a un coût, hein, c'est non négligeable, clairement, mais par la suite, ouais, clairement. On continue. Tu veux que je te parle sur, bah, écoute, je vois du Fronius, ouais. Et tu as du Victron aussi, tu peux. Mais c'est alors, ça. Qui fait quoi? Alors, lui reçoit l'énergie des panneaux. C'est un peu notre MPPT, le régulateur, qui va recevoir donc l'énergie des panneaux. Là, on voit qu'il fait rentrer 680 watts, qui doit être le besoin en ce moment de la maison, parce qu'il y a des lumières, il y a 2-3 trucs qui tournent. J'ai entendu comme une pompe à un moment, ça s'est vu, tu sais. On voit dans les scintillements, ouais. Ouais, il doit y avoir Mag qui doit faire les arrosages au jardin. Ben, ça doit être ça, ouais, clairement, ouais, ça doit être le surpresseur. Et donc là, on voit qu'on fait rentrer 650 watts, qui sont donc amenés directement à notre ami le Multiplus. Donc là, ça c'est un Multiplus 2 en 5000 VA. C'est en 48 volts. On est en 48 volts, tout okay. à fait. Okay. Donc lui, bah, son rôle, c'est de faire donc la conversion du 48 en 220. Okay. Il va amener tout ça au tableau électrique de la maison, qui est un tableau électrique on ne peut plus classique, avec tous les systèmes de sécurité classiques, les interdifférentiels, on a mis un parafoule, enfin bref. Tout ça, tu l'as installé aussi. Tout est là. Ouais. Ouais, putain, ouais, carrément. Bien, t'as les bonnes bases, même en électricité. Encore une fois, merci YouTube. Net, quoi. Ouais, merci Internet, merci les YouTubeurs comme les pingouins dans le désert, ces gens-là qui ont fait des ressources. On les salue. On a ouais, parlé carrément. De hier à table. Carrément, ouais. Donc merci à eux d'avoir fait toute cette ressource au niveau électrique qui nous a bien, bien servi. Et du coup, bah, là, donc on fait la distribution en 220 pour la maison. Ensuite, on a des organes de sécurité pour les deux là et la batterie. Et on a ici donc un visuel, le petit visuel qui nous permet de voir un peu ce qui se passe dans la maison. Avec donc là, on voit, on a donc 600 watts qui sont pris, enfin 750 qui sont pris là pour certainement le surpresseur. On remplit au passage un peu la batterie. Et donc, arrivé, tombé la nuit, on est donc sur la batterie. Et en moyenne, par nuit, été comme hiver, on est entre, à 20% de consommation par nuit. Okay. Et ce qui est complètement dingue, c'est qu'il y a des journées où il fait gris, pas gris-gris, noir, mais même quand il fait gris, ces panneaux-là font la récupération. En fait, on l'a fait en une journée, à 16h, on est plein, mais on arrive, même dans les temps gris, à être plein. Et en par même temps, contre, vous avez quand même 5 ouais, kilos. Ouais, moi, c'est je trouve clair, ça, c'est pour oui, vous oui, êtes oui. deux ouais.
Non, c'est énorme, c'est énorme. C'est franchement énorme, au point qu'à un moment donné, j'avais réfléchi à peut-être en récupérer une partie, les backuper. Faire du bitcoin Non, 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 mais au moins les stocker et puis peut-être plus tard les réinstaller. Mais finalement, on en a besoin en hiver. Il y a des fois en hiver où on est un peu limite. Et alors, le dernier point d'autonomie que je voudrais partager avec ta communauté, je sais que toi, tu vas partager prochainement quelque chose aussi sur le sujet. C'est une autre version que toi, mais qui marche super bien. Ça fait longtemps qu'on l'utilise avec Mag. On n'a jamais eu d'abonnement Internet classique avec Free, Bouygues ou quoi. Mm-hmm. On est passé par donc, des modems... En fait, c'est ni plus ni moins qu'un modem. Quand tu fais un partage de connexion avec ton téléphone, en fait, lui, il fait la même chose. Donc, c'est un modem dans lequel tu vas mettre une carte SIM avec Internet illimité, par exemple, chez Free, avec un abonnement à 19,99. T'es pas sous partenariat. Non. Ou autre. Bouygues, SFR, vous choisissez. Mais c'est important que tu le dises, t'as raison, parce qu'il faut aussi faire en fonction de l'antenne 4G la plus proche. C'est important. Il y a un site qui s'appelle antennemobile.fr où tu peux voir où se trouve l'antenne mobile la plus proche. Comme ça, tu peux aussi, effectivement, choisir l'opérateur qui fait que tu auras un bon débit. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein. Je sais pas si tu... Je l'avais pas vu, désolé. Sur les box 4G. J'ai même fait de l'agrégation, tu connais ? Non. Les geeks là. L'agrégation, en fait, j'avais deux connexions 4G qui faisaient un peu une super connexion. En fait, tu boostes les deux signaux. Parce que j'avais deux opérateurs sur mon antenne qui est proche. Et je me suis dit, je vais prendre les deux. Tu combines les deux. Excellent. Je travaille sur Internet. Ok. Et ça s'appelle de l'agrégation. Ok, tu vois, au cas où. Tu m'apprends un truc trop bien. Sinon. Je vais pas m'étaler plus non, que non, ça, non, mais. Continue. Attends, ça fait 4 ans, donc tu peux. Vas-y, je mets à jour un peu, sachant qu'il y a l'agrégation en plus que je connaissais pas. Mais du coup, voilà, ça nous permet, parce qu'on est tous les deux indépendants, Mag et moi. On travaille, Mag, en fait, est assistante administrative à distance. Elle en parlera peut-être après, posée dans le canapé. Mais du coup, elle bosse avec un ordi et une connexion Internet. Et ça fait qu'on a besoin d'avoir une connexion Internet assez potable. Et ça nous permet d'avoir du 30 mégas dans la maison, 30-40 mégas, un truc comme ça. C'est juste en upload, on est un peu, c'est un peu limite. Les rushs en 4K, ça doit faire plaisir pour le vidéaste. ça fait très très mal. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Du coup, je te laisserai parler de ta solution très prochainement, j'imagine, sur ta chaîne. Par satellite, ouais, sûrement. Qui est un chouïa plus rapide, mais pas plus. C'est plus stable. Okay. Et ça n'a pas de prix. Ok, cool. On a fait un beau tour. Ouais, écoute, la partie technique, je pense qu'on a fait le tour. Tu veux qu'on aille voir un peu le reste de la maison et expliquer le couloir ? Allez, fait combien le couloir de long ? On a 25 mètres donc, de serre. Okay. Et donc, en fait, comme tu as pu le voir, cette serre distribue en enfilade l'intégralité de la maison. En fait, c'est vraiment un couloir qui nous permet d'avoir une distribution des pièces de la maison. Okay. Et ça, je peux aussi te montrer pendant qu'on est là. Carrément, je te laisse t'enfiler. En fait, du coup, en intersaison, là, on le fait pas en plein été parce qu'il fait trop chaud dans la serre. Mais en intersaison, quand il fait un peu bon dans la serre, tu vois, on va ouvrir ici. Et en fait, du coup, ça fait que les calories qu'on n'aurait peut-être pas suffisamment par le mur de pneus, s'il fait un petit peu de soleil, tu vois, en plein hiver, on va récupérer, bam, on ouvre. Et là, tu fais péter vite le 21 degrés en quelques minutes, quoi. Donc voilà, ça, c'est... la petite porte qui a été fabriquée par les équipes techniques de Mathieu. Ouais. Je leur fais un petit peu de pub au passage. C'est les rares équipes techniques qui aujourd'hui peuvent accompagner les personnes dans leadership. Et les mecs sont aussi autant à l'aise sur la partie charpente que menuiserie. Rappelle leur nom. Les Builder Brothers. Les Builder Brothers. Si on y pense, mettez en commentaire, Mathieu, mettez en commentaire. J'espère que je me gourre pas, mais je crois que c'est les Builder Brothers. Au pire, on mettra un lien en description aussi. Carrément. Le couloir, excuse-moi, tu m'as dit... 25 mètres, du coup. 25 mètres de long, avec une distribution des pièces en enfilade. Là, on va commencer avec les toilettes. Question bête, à mon avis, c'est pas voulu. Esthétiquement, je vois que vous êtes sur la laine de... Là, c'est pas
parce qu'on n'a pas fait les finitions, il y aura des plaques de des chutes de fermacell qu'on va mettre ici. D'accord. Et c'est juste qu'on les a pas mises parce que vu qu'on a le sol à faire, on voulait pas les pourraver, tu sais, avec les chapes et tout. Donc là, c'est vrai que ça fait encore un peu chantier. Mais effectivement, comme tu peux le voir, on est isolé avec la laine de bois pour éviter que le chaud l'été pénètre dans la maison et le froid inversement pénètre. Je filme ça. Alors laisse-moi deviner. Ah. C'est la douche. Alors là, c'est une petite fierté de la maison. Il a une petite histoire, ce toilette. On va faire vite parce que mon pauvre, toi, tu vas mourir dans la serre. Mais en gros, le pourquoi on est fier de cette création entre guillemets, c'est que c'est parti en fait d'une visite d'une personne dont je ne citerai pas le nom, qui, je pense, n'était pas prêt à faire ses besoins dans un toilette sèche. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour rendre le toilette sèche plus sexy, plus acceptable? Le mettre en rose. Oh, le truc naze. Ah, c'est ça. Je vais me faire taper. Non, il fallait. En fait, il y avait, tu vois, les odeurs qu'il fallait éliminer, enfin, essayer d'enlever le maximum. La gestion, tu vois, du pipi pour nous, parce qu'en fait, dans la plupart des cas, on collecte tout dans un seau. Et nous, on voulait valoriser l'urine, parce que c'est, beaucoup de gens qui regardent cette chaîne, je pense, le savent, c'est un excellent engrais. Et on voulait pas le perdre, cet engrais. Et on voulait aussi ne pas s'embêter à le récupérer dans une citerne en dessous du toilette et devoir la transvaser tous les 2-3 jours. Okay. Donc finalement, on est parti sur un système de séparation sur lequel on est en test avec Trobolo. Donc tu vois, c'est en fait une cuve Plastoc. Je vais te montrer. Donc, c'est une cuve Plastoc sur laquelle on a une séparation des matières sèches à l'arrière et les matières pipi à l'avant. Ok, bon, je... Ouais, on passe vite. On passe vite. Et alors, la particularité, là, je passe quand même un petit peu de temps là-dessus, c'est que, en fait, on a prévu un toilette classique pour nos vieux jours. On s'est dit que on serait peut-être plus confortable à 70 ans avec un toilette classique, à pas jeter notre eau. C'est ça. Et donc, du coup, en voyant cette chasse d'eau, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et en fait, l'idée est la suivante, c'est que du coup, je collecte donc les urines par ce tuyau-là. Et à l'arrière, on a donc la chasse d'eau qui va se diluer. Je peux peut-être essayer de montrer, je sais pas si... Alors, on va pas le voir, mais en fait, donc du coup, on a les urines qui vont se mélanger à l'eau de la chasse d'eau. Et en fait, j'ai calibré la chasse d'eau. Ouais, remets bien droit le seau parce que c'est la bleue. C'est ça. Et donc là, j'ai calibré la chasse d'eau de sorte que quand on tire la chasse, tu as donc l'eau qui vient rincer... donc le tuyau de pipi, ouais. Et du coup on a aux urines. C'est ça, et donc on a un mélange à 10% qui part dans l'évacuation. Et alors là, je fais une parenthèse parce que ça, on y a pensé. Non, carrément, parce qu'il faut y penser. Pensez-y, les amis, si jamais vous faites ça. C'est que nous, on a fait la bêtise de ne pas penser à cette idée en amont. Du coup, on doit faire passer un tuyau dans l'évacuation pour récupérer ça et envoyer ça dans une cuve qui sera en surplomb du jardin où on va donc avoir un pipi dilué directement à 10%. On pourra faire un arrosage tous les 10 arrosages. Mmh. Mais le problème, c'est que du coup, on est obligé de faire passer un tuyau dans le tuyau d'évacuation. Si tu y penses en amont, on aurait fait un tuyau dédié exclusivement à ça, qui serait pas donc qui serait détourné de la phytoépuration. D'ailleurs, j'espère que les personnes qui sont au Spank, qui voient cette vidéo, ne vont pas m'assassiner, parce que je suis pas sûr que ça soit très très Spankable. Tu seras pas conforme. Ouais. Tu pourras juste pas vendre ta maison. C'est ça, ouais, carrément. Après, l'installation est prévue pour être en conformité, mais je trouve dommage, tu vois, d'envoyer de l'urine dans une phytoépuration qui va alimenter des roseaux, alors qu'on pourrait valoriser cette urine, tu vois, pour des choses. On peut aussi, tu vois, on le faisait, on pissait dans des bouteilles qu'on met diluées dans les arrosoirs, mais tu vois, c'était un peu contraignant. Le mag pissait dans les bouteilles, c'était pas non plus très très fun pour elle. Donc du coup, on a voulu essayer de le rendre le système un peu plus simple avec ça. Mais apparemment, fun pour toi, t'as ouais, carrément. Et puis vraiment, si ceux qui sont en phase de construction et de conception, je pense que c'est vraiment intéressant de prévoir un deuxième tuyau. Ça coûte rien, un bout de PVC. De 20 mètres, ça coûte pas grand chose et ça peut rendre bien des services, quoi. Alors, on continue la visite avec donc la partie salle d'eau. Donc là, on a une salle de bain, on ne peut plus classique, donc je vais pas m'arrêter trop longtemps. Avec ça, c'est les avantages de pouvoir concevoir ces plans. Avec, tu vois, on a mis un petit trappe à linge qui donne directement sur la buanderie avec la machine à laver. Donc, voir combien on produit. C'est ça, c'est là, bon. Tu peux voir directement. C'est bon, il y a du soleil. C'est bon, on peut se doucher. Après une douche un peu plus classique. Voilà, carrément.
Mais bon, avec 25 mètres cubes, on peut se permettre quand même de s'en prendre... Ouais, là, on se prive pas. Et puis surtout, ce qui est marrant, c'est quand tu prends tes douches dans un worship, c'est que c'est une restitution finalement, un juste retour des choses. Tu vois, tu redonnes finalement l'eau de pluie que tu as captée un temps. Donc c'est ça qui est aussi marrant, c'est que c'est une autre vision de la consommation de l'eau. C'est que tu redonnes finalement un truc que tu as stocké et collecté pendant un temps, quoi. C'est un peu une autre philosophie de consommation, quoi. Ce que je voyais sur le Earthship officiel, ouais, c'est que quand tu te douches, ça alimente directement des, oui, bacs qui, exact, seraient prévus ici. Ouais, merci de le préciser, effectivement. Ouais, c'est le truc qu'on n'a pas fait, parce que, comme je t'expliquais un peu en introduction, on avait peur de cet excédent d'humidité et tout et tout. Mais effectivement, dans le principe Earthship de base, l'eau grise, en fait, va venir alimenter donc la cellule botanique. Elle va être filtrée et renvoyée pour les toilettes qui sont souvent, on reste en toilette à eau. Ça fait une boucle, et après les eaux noires partent direction une station d'épuration que je crois que tu avais filmé chez Pauline, où il y avait carrément des framboises qui poussaient sauvagement, parce que ça fait vraiment un truc après, vrai phyto. Et donc oui, ça me permet de te dire aussi, du coup, on a fait une phyto-épuration avec, par le biais d'Aquatiris, qu'on a maçonné entre guillemets avec les pneus de la maison qui nous restaient, et ça nous a on a utilisé les pneus jusqu'à juste devoir en chercher deux qui nous manquaient. On avait pile poil le nombre, donc on s'est dit c'est très couillon de la faire Clio et c'est bon, c'est ça, on a fini avec les d'ailleurs j'ai vu que t'avais des super pneus. On va passer sur tes pneus. On me l'a fait celle-là déjà hier. C'est vrai. Je te jure. Et donc là, notre espace de travail, du coup. Ok. Bon, j'avais pas spécialement. Bon, parce qu'après, c'est. Non, ce que j'aime bien, ça, il faut préciser. Vu qu'il y a de la profondeur, vous avez des rangements au fond. Ouais, ça, c'est à préciser. C'est fantastique. Ouais, c'est cool. Espace un peu plus normal aussi. Vous partagez un écran pour deux. C'est ça, carrément. Qu'est-ce qui fait bon dès que tu ouvres ? T'as vu, c'est impressionnant. T'as l'impression qu'il y a la clim. Hein, c'est... Combien il fait là-dedans ? Parce que c'est vrai que. Alors là, dans la serre, on doit être. Attends, je vais te dire. On doit être à 40. 2 degrés, ouais. Et là on est à dans les pièces à vivre on est à 20, je crois dans le salon on est à 23, et plus tu avances dans la maison plus ça refroidit, parce qu'en fait tu vas voir que dans notre chambre on est connecté à une double masse thermique, vu que tu as le retour de mur de pneus, on a deux fois plus de masse thermique, et c'est ça qui fait que la température est extrêmement stable. Le bureau là, c'est une des pièces les moins stables en température. Alors, parce qu'elle n'est pas connectée, mais il fait bon. Il fait bon, carrément. Donc là, la chambre d'amis. La chambre d'amis. La chance de pouvoir, vivre une nuit dans un Earthship. Donc là, pareil, tu vois qu'on a la masse thermique avec le pneu, le mur de pneus qui est ici. Toujours le puits de ventilation. Qu'est-ce qu'il fait bon. Je le précise parce qu'on ne peut pas le voir en vidéo. Mais ouais, là, non, c'est dingue. C'est dingue. Et là, on sent le combat entre le chaud. Là où je suis, Il y a vraiment une différence. Après, c'est vrai que ça peut effrayer certaines personnes, parce que du coup, c'est vrai que tu as ce contraste en été où il fait très chaud et très frais dans les pièces. Et inversement, en hiver, il peut faire très frais dans le couloir et très chaud dans les pièces. Donc, moi, perso, les différences de température, ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que certaines personnes peuvent te dire « Ah ouais, moi, je ne suis pas trop à l'aise avec les changements de température. » Donc ça, il faut le savoir quand même, quand tu construis un Earthship, tu tapes des deltas de température assez violents, quoi. Il y a toujours le petit tuyau de puits canadien qui permet de... C'est ça. Et là, tu sens un air qui est poussé. Alors, selon l'air extérieur, la température de l'air extérieur, mais là, tu sens vraiment que tu as un air presque comme une sortie de clim, quoi. Et puis la dernière. Allez, la dernière. Et après, on va se mettre au frais dans le salon. Donc ça, c'est notre chambre. Et là, le ressenti de température est complètement dingue. C'est vraiment là la pièce la plus stable en température. On est, vu qu'on a le double mur de pneus, tu vois, tu as ce retour de mur ici qui vient fermer donc le U de la maison. Et ici, du coup, vu qu'on a double masse, c'est vraiment une stabilité thermique de psychopathe, quoi. Vraiment, et aussi en humidité. Et surtout, un truc que tu dois toi apprécier en tant qu'ancien mec de la musique, c'est qu'on a une acoustique incroyable. En fait, on a... les premières fois, ça m'a fait bizarre parce que tu entends presque ton cœur battre. C'est tellement isolé, tu as vraiment cette impression de cocon, quoi. Je voulais préciser que vous allez rajouter, ça c'est dans vos écueils, vous avez rajouté une casquette, et justement pour qu'il fasse quand même un chouïa moins merci, chaud dedans. Merci, ouais, bravo. Ouais, super important, merci Brian, c'est super important. Attends, je filme juste vite fait, ouais, et après on... Du coup, ça me permet d'embrayer là-dessus, et merci de le préciser, parce que c'est vrai que j'aurais zappé complètement, et pour ta communauté qui veut se lancer dans les Earthships, c'est super important de le préciser. C'est que je pense que dans les améliorations qu'il y a à faire au niveau de l'habitat, il y a pour moi deux choses. C'est effectivement
soit faire un vitrage en pente comme on l'a fait avec une casquette. Ça, c'est indispensable parce qu'en fait, on se rend compte que l'été, effectivement, on a des surchauffes ici qui peuvent être gênantes. Donc la casquette, pour moi, c'est un indispensable. Et si c'est pas une casquette, c'est un ombrage naturel comme on va faire, nous, avec de la vigne vierge qu'on va faire courir, qui va nous abriter l'été. L'hiver, elle va perdre ses feuilles, donc on aura une vue sur l'extérieur. Vierge, parce que tu m'as dit, on aurait peur que le raisin vienne un peu saloper les vitrages. Donc du coup, on va partir sur de la vigne vierge, mais vraiment, pour ceux qui veulent se lancer, c'est casquette indispensable. Et l'autre point, c'est selon l'altitude où vous prévoyez de faire votre worship, peut-être passer sur du vitrage. Alors c'est moins sexy architecturalement parlant, mais ça serait partir sur du vitrage finalement droit et pas en incliné comme nous, parce que finalement en été, tu le vois là, il est un peu plus que midi. Tu vois là, la pénétration du soleil est beaucoup trop importante par rapport aux besoins, et ça fait qu'on a une surchauffe ici qui pourrait être très largement améliorée avec une casquette, quoi. Vous essuyez les plâtres. Ouais, carrément. Nos erreurs font le bonheur des autres. Et le savoir des autres aussi. Et le savoir des autres, carrément. Juste, je montre à quoi ça va ressembler au final. Ouais. Je trouve c'est super l'idée. Et là, ouais, on s'est mis un petit défi technique parce qu'on va, je pense qu'on va en chier. On part sur de l'opus calcaire qui va être assez long à poser, comme je te l'avais dit, avec ma fracture de l'humérus et le ménisque de Mag. On s'est dit, bon, on fera ça tranquillement cet hiver, parce que là aussi, comme tu peux le voir, ouais. Et puis surtout, tu peux voir que ici, c'est impossible de bosser en plein été, quoi. C'est le soir, c'est bon, ouais. Denis. Je vois tout. Est-ce que, voilà. Parce que je pense que tu regretteras, tu diras, tu sais, à chaque fois que je pars, gens m'envoient des messages. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais me dire sur la partie technique? Ouais. Écoute, je crois qu'on a fait un très beau tour. Ouais. Je voudrais pas trop saouler la communauté. Non, et puis surtout, je voudrais qu'on se garde du temps justement avec Magali pour la partie genèse et expliquer d'où on est parti, pourquoi, les difficultés qu'on a rencontrées. Ouais, clairement. Donc ça, ouais, gardons un petit peu de temps pour ça, je préférerais. On va se poser ? Allez. Magali, Luc, c'est une belle visite, Luc, franchement, tu m'as mis une claque encore, en disant combien de personnes te mettent des claques. Ben, en fait, très souvent, toutes les personnes que je vais rencontrer. Cool. Mag, oh, le mec Mag, genre, oh, Mag. On est intime maintenant. Ouais. On va parler un petit peu de logistique, on va parler argent aussi. Okay. T'as remarqué, je demande aux femmes pour l'argent parce qu'on m'a souvent dit que la gestion, c'était souvent madame qui gérait. Dis-moi si je dis une bêtise ou pas, c'est vrai? Complètement. Ah, ça a été ça. Complètement. Ça l'est encore. Alors, petite question, vous n'avez pas eu énormément de fonds perso pour commencer quand vous avez eu la genèse? Juste, après, je sais que tu veux parler de la genèse, Luc, mais Mag, combien ça coûte un worship? Je crois de mémoire que le worship de Pauline et Benjamin est aux alentours de 400 000. Je crois que c'est à peu près ça. Parce que voilà, faut respecter toutes les normes worship. Et en worship inspiré, je voulais savoir combien ça vous a coûté pour 200 mètres carrés, il me semble. Allez, on a pour 200 mètres carrés, 150 habitables. On est aujourd'hui, pour ce qui est de la maison, de la construction en elle-même, on est à 165 000. 165 000 auxquels on rajoute le terrain. On a donc un terrain d'un peu plus de 6000 m². Un peu plus ? Un peu plus de 6000. 5600, ouais. Enfin, du coup, il y a une parcelle annexe qui... Okay. On a racheté une petite parcelle par la suite. Mais au départ, on était sur 5600. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Et ce terrain nous a coûté, avec la petite partie rajoutée, à 75 000 euros. Vous n'avez pas de crédit ? On n'a pas de crédit pour ce qui est de la construction de la maison. On en a pris un pour le terrain. En fait, je fais une petite parenthèse parce qu'en fait, en autoconstruction, les banques ne te suivent pas. Tu es obligé d'autofinancer complètement la partie, on va dire, chantier. Après, c'est pour ça que nous, on a fait le choix, vu qu'on n'avait pas des fonds illimités. On n'a pas hérité, on a été des salariés avec des payes très modestes. Mais du coup, tout ça étant, on a dû mettre de côté pour la partie construction parce que les banques ne te suivent pas. Et donc, on a juste pillé un crédit pour la partie terrain pour garder de la trésorerie pour la partie construction.
Comment vous avez fait pour gérer? Alors, vous êtes ensemble depuis longtemps aussi, on peut dire que c'est pour ça que vous avez mariné tout ça et tout. Comment vous avez fait pour avoir l'équivalent de 250 000 euros? Alors là, t'en arrives un peu à la genèse du coup. Ah, mais on fait un. C'est bien. Ouais, 250 000 tout compris. Oui. Ouais. Presque terminé, comme on voit ces définitions. Ouais, carrément. Là, c'est du détail. Là, on en est au détail. 250 000 euros, oui, effectivement, à aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années. Donc, on s'est rencontrés avec Luc il y a 14 ans. Et donc, quelques années après, on s'est posé des questions sur notre avenir, sur où on voulait vivre, comment. Et dès ce moment-là, on a su que, parce qu'on n'avait pas des fonds justement illimités, on avait ce qu'on pouvait mettre de côté avec nos travaux, enfin nos postes qui, avec des salaires tout à fait conventionnels, enfin tout à fait communs. 15 000, je crois. C'est ça. Vraiment. On était des salaires plus que modestes. Et du coup, c'est vrai qu'en se projetant sur le besoin financier que représentait un projet, alors on ne savait pas qu'on allait faire un worship, mais on savait qu'une maison traditionnelle, c'était au moins 1 000 euros du mètre carré. Du coup, on s'est dit, OK, il nous faut cette somme-là. Et pour arriver à cette somme-là, on a fait une sorte de prévisionnel pour voir combien on devait mettre de côté chaque mois. Et c'est ce qu'on disait un peu hier, c'est que du coup, en sachant ça, on a dû mettre la ceinture sur le dernier cran. On s'est privé pendant quelques années d'aller faire des restos, de voyager, de prendre l'avion pour des questions écologiques, mais aussi du coup économiques. On a acheté un van qui nous a permis de faire le tour de France et d'Europe pour pas cher. On s'est mis à réparer beaucoup de choses, donc ça c'était cool, tu vois, ça nous a déjà projeté un peu dans une sorte d'autonomie. Je réparais vraiment tout ce qui cassait, je réparais, on rachetait très peu, ou quand on achetait c'était sur d'occasion sur le bon coin. On s'est mis aussi à, ça fait depuis tout petit que je me coupe les cheveux, enfin tu vois, c'est des petites économies qui en fait, mis bout à bout, au bout d'un moment tu arrives à capitaliser la somme dont on avait besoin. Vous n'avez pas d'enfants aussi, il faut quand même préciser. Ouais, complètement, c'est important, tout à fait. Belle économie. Complètement, ouais, c'est clair. Je sais pas si, alors il y en a qui vont me dire, non, ce n'est pas une économie, un enfant, mais... Complètement, c'est... Et c'est vrai que tu parles de... On s'est mis au dernier cran de la ceinture, mais finalement, ce dernier cran, il a été... c'était celui qui nous permettait de vivre comme on l'entendait. Ça nous a... Enfin, j'ai pas vécu ces 10 années de capitalisation. Oui, dans la frustration. Dans la frustration, non. On était alignés avec les choix qu'on faisait à cette époque-là. On s'est pas dit, OK, on se met entre parenthèses pendant 10 ans et après, après on s'éclatera. Pas du tout. Parce que dès le départ, OK, on faisait attention à tout ce qu'on faisait. Donc, on était de plus en plus alignés. Ouais. Et ça n'a pas du tout été frustration. Ouais, et aujourd'hui, on vit tel qu'on a commencé à vivre il y a 10 ans. Clairement, ouais, ça nous a amené finalement vers, pas une forme de minimalisme, mais en tout cas de frugalisme, tu vois, où on allait vers l'essentiel, on prenait considération du fait que finalement, le bonheur, c'était pas dans l'avoir, mais dans l'être. Tout ça fait que... mais tout ça fait que, ouais, tu vois, mis bout à bout, en fait, comme dit Mag, on n'était pas dans la frustration, quoi. On a fait cet effort financier, sachant qu'en plus de ça, on allait accéder à un niveau de liberté financière derrière encore plus fort, quoi. Donc voilà pour la partie financière. Je ne sais pas, est-ce que tu voyais d'autres choses que tu voulais aborder sur cette partie financière ? On est en plein dans la genèse, hein, on est d'accord par rapport à ce que vous vouliez dire. Ouais, ouais. Maintenant, on va parler de... Vous avez dit ce que vous vouliez dire sur les débuts. Après, je peux te faire aussi vite faire un petit laïus sur le pourquoi on est allé vers ce projet-là. C'est que en fait, Mag et moi, on était inscrits dans des vies quand même assez conventionnelles au départ. Et à l'âge de 27 ans, j'ai fait un burn-out professionnel parce que j'avais une autre vie professionnelle avant celle-ci. Et si tu veux, j'avais été vraiment inscrit dans ces métiers à bullshit job. Hein, le terme est là aujourd'hui pour le catégoriser. Et du coup, je trouvais pas de sens dans ce que je faisais. J'étais vraiment pas épanoui financièrement. Bon, c'était pas fou. Et surtout, c'était pas du tout aligné avec la vie qu'on voulait. Et en fait, au même moment où je fais ce burn-out professionnel, je pars au Cameroun voir là où vit mon père. En fait, il a tout quitté pour aller vivre en plein milieu de la forêt équatoriale avec sa copine qui est camerounaise. Donc, il est parti dans son village d'origine. Et là, j'ai pris une deuxième claque après mon burn-out. J'ai pris la claque qui m'a foutu au sol, mais violent. Là, j'étais vraiment à terre parce qu'en fait, tout le socle que j'étais en train de construire en pré-adulte, il s'est effondré. Et en fait, j'ai dû tout reconstruire derrière ça parce que finalement,
finalement, ouais, ce que je te disais, le fait que au début, je partais sur une vie plus axée sur l'avoir, finalement, tout ça s'est tombé, ça s'est écroulé, au point que je n'arrivais plus à prendre les transports en commun parce que je faisais des crises d'angoisse à voir tous ces zombies dans les rames de métro. Et vraiment, je n'arrivais plus à me projeter dans cette vie, dans la matrice. Et en fait, c'était un peu la genèse de tout ça. Et c'était le point de départ d'une multitude de rencontres, parce qu'en fait, c'est vraiment les rencontres, ta chaîne, d'autres chaînes YouTube et tout un tas d'influenceurs, d'inspirateurs qui nous ont petit à petit guidés vers l'habitat écologique, et ça a mis du temps. Au départ, on se projetait même sur des choses beaucoup plus simples, une yourte, une tiny house, une caravane même, on avait pensé, enfin tu vois tout ça. Et on a un peu éliminé ces idées-là parce que on se rendait compte, tous les gens qu'on rencontrait qui vivaient dans ces habitats, ils vivaient quand même de manière assez précaire, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on le sait, en France, l'habitat léger n'est pas reconnu, et c'est très très compliqué de vivre en non-précarité dans ces habitats. On aurait vraiment aimé, hein, pour le coup. Et finalement, c'est à l'époque où on s'intéressait à l'habitat écologique que là, j'ai eu une lumière. Mon père, en fait, quand j'avais 15 ans, il regardait Trax d'Arte. Ouais. Et là, il y avait le reportage que tu as vu, Garbage Warrior, ouais, sur ce gars, donc le fameux Michael Reynolds dont on a introduit la chose tout à l'heure. Et en fait, ce gars avait fait un reportage sur Arte. Et je me suis rappelé ce docu que j'avais vu à 15 ans. Et là, je me suis dit, putain, mais chérie, mais en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et c'était vraiment là, à partir de là, où, si tu veux, il y a donc 4 ans à peu près, un peu plus de 4 ans, 5 ans, où on a petit à petit été de plus en plus attiré vers ça. Donc, on est allé aussi voir Pauline et Benjamin, on est allé sur des chantiers participatifs. Enfin, tu vois, on a commencé à s'immerger vraiment à fond dans le truc. On s'est rencontrés dans cette vie-là, où tous les deux, on avait un emploi qui n'était pas forcément aligné avec nos valeurs. Quand Luc parle de son retour du Cameroun, dans lequel il a changé, et ça a été, on a réussi à tout de suite transformer et à prendre ce malaise comme un révélateur sur ce qu'on était en train de vivre. Et c'est à ce moment-là que des questions se sont trouvées et qu'il fallait y répondre. Mais ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit où, comment, pourquoi, avec quoi et comment y arriver. Et c'est vrai que tout de suite, il a fallu changer de travail pour ne pas aller au travail à reculons. Il fallait mettre de l'argent de côté, donc comment ? Changer de travail, changer de perspective professionnelle. Il y avait cette indépendance financière, cette quête de liberté qui était devenue indispensable en fait à ce moment-là. Et donc le chemin, il est long. C'est des choix, c'est des risques. Mais on était habité par cette quête d'autonomie et de liberté. Et donc, peut-être un peu naïf. Et c'est là où on en arrive sur la partie un peu obscure de la force. Qui était le plus naïf des deux ? Les deux. Les deux. J'ai envie de dire moi. Ouais, un peu les deux, mais je pense que là où on a été naïf, c'est qu'on s'attendait pas en fait à chercher un clash là. C'est ça. Mais ouais, non, là on va parler du côté, parce que là un peu depuis qu'on on se parle, tout est beau, tout est rose, c'est une maison magique et tout et tout. Ah, on va parler des trucs qui fâchent. Exactement. Et là vraiment, c'est ce que je te disais quand on s'est parlé au téléphone la première fois, c'est que j'avais vraiment envie que ce témoignage reflète à la fois le côté incroyable de ce choix de vie, mais aussi le côté très complexe et réaliste pour y arriver. Et là-dedans, j'ai envie de te passer en revue la partie technique qui, on l'a dit, on s'est fait aider par Mathieu, on avait des ressources internet et tout, mais comme, n'étant pas du bâtiment, on a quand même... je pense pris ça un peu à la légère, dans le sens où on n'est pas sur du bâtiment conventionnel, les ressources du conventionnel n'existaient pas, donc on a été confronté quand même à pas mal de problématiques techniques pour lesquelles, tu l'avais entendu, finalement, c'est pas les problèmes qui étaient compliqués à résoudre, c'était faire le choix parmi les solutions. Et tu vois, n'étant pas du métier, c'est vrai que c'était un peu compliqué quelquefois de faire ces choix-là. Dis-moi juste, avant de commencer, quand on veut se lancer dans un bâtiment comme ça, on dit quoi à une mairie ? On lui explique comment ? Quand on veut poser un permis de construire. Au moins, on commence, tu vois, par la... avant la construction. Tu as dit, on fait un géonef, par exemple. Non, je vais prendre le relais. À la mairie, tu lui dis, je veux faire une maison. Ouais. Je veux faire une maison. Une fois qu'elle dit,
D'accord. Et là, tu rentres dans les détails de quel type de maison. Et à ce moment-là, tu... En fait, un Hardship, ou un Hardship inspiré, GeoNef, c'est une maison. C'est une maison d'habitation. Tu dois, oui, quelque peu batailler pour ces aspects d'autonomie. Donc, tu batailles un peu pour l'eau, tu batailles un peu pour l'électricité et l'assainissement. Mais j'ai envie de dire au même titre qu'une autre habitation que tu voudrais rendre autonome. C'est pas l'architecture d'un Hardship qui a posé souci. On a mis du temps parce qu'on est dans un petit village qui ne disposait pas de PLU. Et donc tout était à faire. Et donc chaque aspect de cette maison donnait lieu à des discussions. Et je t'avoue que moi, ça a généré énormément de frustration parce qu'en fait, on était à un moment où on savait, il commençait à y avoir les rapports du GIEC, les machins, et en fait, on savait qu'on était à un instant où on était un peu à la croisée des chemins, où il fallait prendre des décisions un peu sérieuses sur l'habitat, etc. Et je m'étais dit qu'en présentant un projet comme celui-ci, on serait reçu tapis rouge. Enfin du développement durable. C'est ça, tu vois, tapis rouge, allez-y les gars, faites-vous plaisir. Et en fait, que dalle, quoi. De ouf. Et en fait, bâtons dans les roues. Et en fait, là où moi je suis halluciné, et j'espère que les gens qui nous regardent ont comme moi la chance d'avoir une compagne ou inversement un compagnon qui est bon dans la partie administrative, parce que Mag c'est un pitbull administratif, et en fait elle a rien lâché, quoi. Et ça a duré un an et demi, donc moi je t'avoue que Un an et demi ouais. Donc tu vois, moi personnellement, au bout de deux semaines, avoir des CERFA avoir des CERFA dans tous les sens, des trucs, moi au bout de deux semaines j'aurais tout envoyé péter et j'aurais fait une maison mi-kit en béton bien dégueulasse, quoi. Donc merci à Mag, merci à rien avoir lâché, parce qu'en fait clairement je aujourd'hui, pour se lancer dans un projet comme ça, et tu l'as vu hier, tu as rencontré des bénévoles qui veulent se lancer dans la même démarche, c'est très compliqué. Et si tu n'as pas effectivement la hargne, la pugnacité d'aller au bout de ton idée, et ben malheureusement ce rêve ne se réalisera pas, quoi. Donc il faut être déjà conscient de ça. Sur la partie administrative, clairement, je pense qu'il faut avoir la rage, quoi. Après, est-ce qu'on peut aborder le fait que vous avez quand même vécu 3 ans au mobilhome, ouais, et qu'il y a eu des chantiers participatifs, ouais. C'est ce qui vous a aidé aussi à réduire les coûts et surtout avoir une équipe. Ouais, merci de le préciser, clairement. Alors, n'étant pas du bâtiment, ne maîtrisant quasiment peu de corps de métier en fait dans cette habitation, on savait que cette construction allait passer par des chantiers participatifs. Un chantier participatif pour l'ensemble, en fait. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, cette maison, on y habite. Et sans eux, on pouvait tabler sur une dizaine d'années de construction. Oui, bien sûr, parce que on avait notre activité qu'on a mis un peu en stand-by. Enfin, on l'a mis un peu en pause, oui, mais on la poursuivait quand même parce que donc cette quête de liberté, est passée par nous deux. On est devenus indépendants il y a quelques années, et on sait qu'une activité, si tu la mets en pause complète, on t'attend pas après. Non, on t'attend pas. Donc il fallait poursuivre ça. Il fallait quand même continuer à générer de l'argent parce qu'il en fallait, parce que recevoir des bénévoles, c'est aussi leur donner du confort, donc c'est nourri, logé, et c'est le juste rendu de leur implication. Et donc on a reçu une soixantaine de bénévoles, mmh, sur 2 ans et demi. Pendant ces 2 ans et demi, on était en mobilhome. Et donc il fallait avancer parce que vivre en mobilhome, c'est pas simple. Un mobilhome en plein hiver avec 6 bénévoles qui nous rendent visite, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ouais, donc on avait hâte que ça avance pour pouvoir fermer cette maison et pouvoir se dégager du mobilhome. En fait, ce qui était compliqué aussi pour la partie bénévole et logistique autour de ça, c'est que on accueillait des gens pour lesquels on se devait de bien les accueillir et partager des savoirs qu'on avait quelquefois même pas encore eu, quoi. Donc on était dans une position un peu bizarre et c'était vraiment compliqué parce que sur le terrain, on devait assurer. Moi, j'étais chef de chantier, coordinateur de travaux, conducteur d'engin,
gestion de la sécurité du chantier, enfin, Mag dans l'intendance, elle était accueillir. J'étais dans les travaux, j'avais mon job à côté, je devais faire l'intendance, je devais prévoir les matériaux, je devais gérer les commandes, est-ce que c'est bon, la semaine prochaine on aura ce qu'il faut pour avancer, et pour avancer il nous faut aussi des personnes à accueillir, donc est-ce qu'elles sont là, ou est-ce qu'on doit décaler, mais décaler, ben, du coup, est-ce que la météo sera au rendez-vous, est-ce que... Enfin, combien de jours par semaine vous avez consacré à ça? On était 7 jours sur 7. Il était comme hiver. On a fait la toiture sous la neige. Enfin, c'était un peu violent. Et là, merci, tu me ramènes sur le côté obscur de la force. C'est que on était. Merci, Luc. et du coup, ce côté vraiment violent de l'expérience, c'est que c'est éreintant physiquement, c'est éreintant mentalement. Ça secoue le couple parce qu'en fait, quand tu es en phase d'épuisement total physique et mental, tu n'as même plus de ressources pour prendre soin de toi. Donc en fait, malheureusement, l'autre, à ce moment-là, tu n'es plus en capacité d'être bienveillant. Tu vois, la bienveillance à ce moment-là, elle n'est plus là, quoi. Donc il y a plusieurs fois pendant le chantier où malheureusement, ça a fait un peu d'électricité et c'était très, très, très compliqué, quoi. Le couple prend cher et si on n'avait pas ces 14 ans de recul... Sur quoi ça aurait pu péter? Excuse-moi, je rebondis, mais c'est ouais, pour mais vous, alors que ça fait quand même longtemps. En fait, c'est des trucs à la con, tu sais, c'est des trucs où d'un coup, dans la journée, tu vas être face à une merde et en fait, t'es tellement éreinté que tu vas prendre ta compagne à un moment donné, à ce moment-là, ou ton compagnon. L'autre qui me parle. Vraiment, c'est, en fait, t'es au bout du rouleau, tu vois. Il y a des fois, t'es au bout du rouleau, t'as envie de tout lâcher. T'as plus les formes, t'as plus l'énergie. Comme tu dis, être bienveillant. C'est bien de le partager. Prendre le recul sur la situation. Pourquoi je suis comme ça? Je suis fatiguée. Je suis juste fatiguée. Je n'arrive plus à gérer. Il y a trop de monde. J'arrive pas à avoir de moments à moi pour m'apaiser. Et donc t'arrives plus. Tu n'arrives même plus à envisager demain. Donc je dis, mais où on va, comment faire pour que ça avance là sereinement. Et vraiment, mais on a eu, je pense, on disait tout à l'heure qu'on était naïf, on pouvait être naïf. Mais pas sur notre couple. Pas sur notre couple. Parce qu'on se connaissait justement parfaitement bien pour être suffisamment intelligent pour comprendre que ces moments... Dans des directions où voilà, vous savez que... Ouais. Tu vois, quand on était dans un clash, on savait très bien que c'était pour des questions justement d'épuisement physique et mental et que c'était pas parce qu'il y avait une réelle cause fondamentale, tu vois, derrière. C'était vraiment juste parce qu'on était rincés. Une intelligence, quoi, derrière ça. Clairement. Et cela, tu vois, c'est une mise en garde qu'on fait. Mais du coup, c'est vrai qu'on a pris ce temps et maintenant, on joue cette transparence avec certains couples au point qu'on a un couple qui, malheureusement, s'est séparé à la suite de leur visite je captais pas. Un couple qui est venu. Ouais, qui voulait construire un ship et finalement on voyait qu'ils étaient, lui était vachement dans le truc, elle un peu moins. Et à la suite de leur passage, en fait, ils se sont séparés parce qu'ils se sont rendus compte que, à la suite de notre récit, ils se sont vite rendus compte que ça allait être très très compliqué de mener à bien un projet. Ouais. Tout à fait. Ouais, avant de se lancer, parce que tu peux te dire j'y vais quand même, ça ira, nous ça ira, ou. Bon, bah, leur expérience fera que on saura se dire attention, là ça ne va pas, faut prendre du temps, faut prendre du recul. Vous aviez l'air de dire qu'en plus, un des premiers chips en France, il y a eu le facteur humain qui a fait que c'est pas allé jusqu'au bout. Ouais, je veux pas citer le nom, mais ouais, tout à fait, vous aviez l'air de dire qu'il y a eu quand même déjà des ratés sur ce genre de tout construction. À fait, ouais, tout à fait. Là, c'était sous une forme d'association, mais celle-ci, ouais, effectivement, le PFH, là, ça, ça a fait son œuvre. Ouais. Est-ce que vous pensez pas que le fait aussi d'avoir partagé vos avancements, le fait que tu filmes, le fait que vous ayez fait un Insta, des vidéos sur YouTube, quand ça va pas, tu regardes un peu le chemin parcouru, ça vous a pas remotivé ça? Ah, complètement. Moi, ça complètement, ouais, c'est clair, merci de préciser ça. C'est vrai que la plupart des gens même qu'on accueillait, qui disaient, waouh, c'est fou ce que vous avez fait, c'est beau, enfin tu vois, tout ça, effectivement, c'est des moments où pouf, ça te rebooste de folie, ou même l'arrivée des bénévoles, qui étaient là à une certaine période du chantier, qui revenaient 6 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, on ne sait pas, et qui nous disaient, la dernière fois, j'étais sur ça, et mais c'était quand? Ok, c'était il y a 6 mois. Et là, ça et y est, tu vois le chemin prends, parcouru, tu ouais, vois le chemin. Carrément.
Moi, je balance, hein, mais vous m'avez dit, il y a même eu des petites larmichettes de belles rencontres. Ouais. Ben, je sais pas si tu peux en parler. Mais on va pleurer, moi, je suis trop émotif, je vais chialer. Là. Non, en plus, j'en ai des frissons. Je sais pas si tu peux zoomer, mais j'ai des frissons. Moi, j'incrusterai une image de frissons. Carrément. Non, mais c'est une belle aventure, parce qu'on parlait des clashs, là. Excuse-moi, je me permets de... Non, mais t'as raison. L'aventure humaine, c'est l'aventure humaine la plus... Regarde, j'en ai les frissons véridiques, quoi. C'est ouf, mais c'est l'aventure humaine la plus puissante qu'on ait jamais vécu, quoi, de notre vie. On a rencontré des gens solaires, des gens d'une gentillesse, d'une bienveillance. En plus, les bénévoles, tu sais, ça va de 18 à 65 ans. T'as des histoires de vie complètement dingues. T'as des jeunes qui veulent construire un ship. T'en as d'autres qui viennent juste là pour vivre une expérience humaine. Et vraiment, ça a été grâce à eux, tant sur le plan de la main-d'œuvre, mais aussi sur le plan humain, qu'on a été, pour boucler avec ce que tu disais, ressourcés. Tu vois, on a à chaque fois qu'on avait une arrivée de bénévoles, pof, c'était une vague de fraîcheur, une vague d'énergie. Oui, beaucoup nous disaient, mais vous ne pouvez pas tenir la cadence 7 jours sur 7. Ben ouais, ah bah, je vous le redis, c'est un peu fou. C'est un peu taré. Ouais. Sauf que, comme dit Luc, chaque arrivée de nouveaux bénévoles, tu avais cette fraîcheur, cette envie, le fait que vous en êtes ici, c'est génial. Et puis du coup, de re-raconter ce que tu étais en train de vivre et peut-être la fatigue. Donc, tout de suite, ils se disaient, OK, bah, si je suis là, c'est pour leur redonner le sourire, leur redonner envie. Si je peux prendre un peu le lead sur telle action, bah, je vais le faire, comme ça va les soulager. Je précise qu'on est allé à la blessure, clairement, fracture de l'humérus, ménisque. Enfin, on a fait la connerie et d'aller peut-être un peu trop en mode course de fond plutôt que marathon. Mais le truc, c'est qu'on a dû le faire aussi pour des questions météorologiques. On ne s'est pas rendu compte que faire un chantier, c'est aussi suivre une succession d'étapes qui sont météo-dépendantes. Et en fait, du coup, on était dépendant de l'acheminement des matériaux qui était fortement encombré avec l'histoire du Covid. On était avec une météo qui était complètement aléatoire. On avait du beau en hiver, du moche en été. Et en fait, tout ça fait que quand on avait des créneaux de beau temps, on devait y aller. Et malheureusement, ces créneaux se sont mis bout à bout sans temps de pause, quoi. Et c'est un peu pour ça qu'on a fait un peu les barjots et qu'on a cravaché jusqu'à... Jusqu'à la casse. Il y a eu quoi en casse? Je crois que t'en avais... Fracture de l'humérus, ouais. Une belle fracture de l'humérus. Un ménisque. Voilà. Ouais. Vous les avez laissés dans le mur. Ça m'a coûté un bras, quoi. Ça m'a coûté un bras, c'est le cas de le dire. Et vous avez fait ça pendant le Covid. Vous avez dû voir l'explosion des prix. Vous étiez en plein dedans sur les matériaux. On a eu beaucoup de chance. Ouais. On a eu beaucoup de chance parce que, et ça reboucle un peu, le fait d'anticiper les étapes, ça, le fait d'être... Ouais. D'être toujours sur le chantier, d'avancer. Ça nous a quand même permis d'aller au-devant de ces hausses de matériaux. Ça veut dire que quasi 6 mois, 9 mois après le démarrage du chantier, tout était commandé, tout était prêt à être livré. C'était déjà anticipé. On est passé avant la pluie, quoi. Mais vraiment. Vraiment. Et pour tout dire, on avait fait un prévisionnel de travaux et à la fin du chantier, on est tombé à 1000 euros près de ce qu'on avait prévu. On a dû débourser 1000 euros de plus que ce qu'on avait prévu, quoi. Donc, mais c'est ridicule. Mais heureusement, parce qu'on est passé avant la tempête de la hausse des matériaux, quoi. Si on n'y aurait pas, on aurait été impacté par la hausse des matériaux. Je pense que clairement, on aurait été dedans en termes de budget, quoi. Petit instant promotion, comment vous retrouvez, comment vous voyez l'avenir, tu vois, je regroupe tout. Cool. Je laisse chacun un mot de la fin, on terminera par toi, Mac. Carrément. Si vous voulez suivre les aventures de la maison et de notre projection dans l'autonomie, parce qu'une fois que la maison sera achevée, on va un peu basculer sur la partie autonomie, donc le jardin. On a fait déjà 2-3 petites vidéos, même si, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure en présentant le jardin, on est clairement en progression là-dessus, on doit apprendre. Mais voilà, on va continuer à alimenter la chaîne, donc les autonomistes. Je le mettrai. Ouais, en description, c'est un jeu de mots, les autones avec un tréma, homiste, c'est voilà la maison autonome. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on va continuer à alimenter cette chaîne pour participer, je l'espère, à donner de l'information qui servira à ceux qui veulent se lancer dans un projet de leadership et plus largement d'un projet d'autonomie. Il y a un truc au niveau militant que je veux rajouter, c'est qu'en fait, on est content avec Mac d'avoir mené à bien ce projet à titre personnel parce que ça nous rend heureux de vivre dans un habitat qui correspond à nos besoins. Mais c'est surtout, on est content parce que ça devient vraiment
vraiment un acte militant. Quand on voit les gens qui viennent ici, on voit l'impact que ça a, que ce soit les enfants, les personnes plus âgées, etc. On voit, désolé, je vais fermer ma bouche, c'est promis. Mais du coup, on est content que ça, bah, que ça participe, si tu veux, parce que moi, je suis passé par une phase d'éco-anxiété très, très puissante et j'avais besoin de mener des actions concrètes pour faire changer les choses. Et aujourd'hui, ce bâtiment, je l'espère, contribue à notre petite part de Colibri pour faire changer les choses. J'avais envie de dire aussi que le message aussi important, c'est de dire que c'est possible. C'est que quand on a des rêves, c'est possible de les réaliser. Il faut se donner les moyens. Le chemin peut être long. Il est peut-être semé d'embûches. Il faut être soudé. Il faut être conscient de là où on est, là où on a envie d'aller. C'est possible. Peut-être garder aussi, on parlait tout à l'heure de naïveté, mais un œil peut-être d'enfant dans ce qu'on a. Moi, j'ai adoré ce chantier. J'ai adoré construire cette maison. J'ai voulu garder toujours cet œil d'enfant dans tout ce qu'on était en train de faire. Je gardais en tête que j'étais en train de construire un château, de jouer tout simplement. Et c'est ce qui a permis de passer cette épreuve, cette construction-là avec plus de légèreté. Et donc c'est possible. Si vous avez cette envie, ce rêve ou tout autre projet, dites-vous que c'est possible et faites tout ce qu'il faut pour y arriver. N'oubliez de vous dire que c'était impossible, alors vous l'avez fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Mag, Luc, merci beaucoup. Merci Brianne.